Bonsoir à toutes et tous et bienvenue sur webgirondin.com et sur notre chaîne YouTube pour le talk Webgirondin. On est ensemble jusqu'à 21h pour décrypter l'actualité des marinés blancs. Je suis ravi de vous retrouver, surtout qu'on a un beau programme et d'un bel invité aujourd'hui dans le talk. Je vais commencer par lui. On reçoit un homme qui a accompagné l'équipe professionnelle des Girondins de Bordeaux pendant plus de 20 ans, que ce soit au Hayan ou sur tous les stades d'Europe. C'est monsieur Marc Vernet. Bonsoir et bienvenue Marc. Bonsoir. Donc vous avez été kinésithérapeute de l'équipe professionnelle des Girondins de Bordeaux. Ouais. Bon. Pendant 30 ans, pas 20 ans, mais 30 ans. Oh là là, j'ai raccourci. De 89 à 2019. En tout cas, merci d'être avec nous. On va passer cette première partie jusqu'à 20h ensemble pour évoquer votre métier, vos souvenirs et que vous nous partagiez un peu peut-être les coulisses de ce que vous avez pu vivre. Voilà. Et ce sont les titulaires ce soir qui sont là. Monsieur Samuel Vasselin, journaliste au Club des 5 et animateur. Salut Samuel. Salut à tous. Ça va? Bah écoute. Jour de repos ou pas pour toi? Non, pas jour de repos. On travaille ce soir après l'émission. Bon. Monsieur Gino Forte qui est ici. Salut Gino. Salut Nico, salut à tous. Bon Gino, t'as préparé un fromage dessert ou les deux? Exactement. Marseille-Bordeaux avec deux grandes légendes, on va dire, du championnat de France. Avec ce match qui se profile d'ailleurs. Je montre un petit ticket sympathique qui est le Olympique de Marseille-Bordeaux. Dernière victoire des Girondins avec le but de Pierre Ducasse. Ah. Donc on espère que ça pourra nous porter bonheur. Tiens, est-ce que Marc y était au stade lors de ce but de Ducasse? Vous y étiez? Ah oui. Oh là là. Oui, je me souviens. Bon alors, comment vous avez réagi sur le banc là, à ce moment-là? Ah ben c'était déjà le but il était génial, donc en plus c'était Pierre Ducasse qui l'avait marqué, donc ça avait encore plus de piquant. Bon super, bon, c'est génial de pouvoir partager ça avec vous. Et il est là, Jonathan D'Agostino, les internautes, les supporters aiment ses analyses, il est avec nous, salut Joe. Salut, bonsoir à tous. Il y en a un qui aime, c'est déjà ça. non, mais oui, un message qu'on a eu sur Web Girondin nous indiquant que. Ah, j'ai vu. Non, c'est gentil, en tout cas, je vous remercie. J'ai juste une petite question. Est-ce que tout le monde était né en 89 là, dans l'émission là? Ouais, non, pas du tout. Moi, je crois que mes parents ne s'étaient même pas encore rencontrés, moi. Non, c'est pas ah une bon vanne. Ah bon? Sérieux? Bah, moi, j'ai 25 ans. Je crois que mes parents se sont rencontrés 4 ou 5 ans avant ma naissance, donc ouais. Mais non, ils se sont rencontrés en 89. Et voilà. Ah bon, voilà. Quand Marc a intégré les Girondins de Bordeaux. Voilà. Moi, j'étais né depuis plus de 10 ans. Hein. Ouais, je suis vieux. Ouais. Vous aviez quel âge en 89 quand vous avez intégré le club? 34. Ouais, vous étiez jeune. Ouais. Alors, je salue tous ceux qui sont sur le chat, qui arrivent petit à petit. Salut à tous et merci d'être là, Sultan Rex, Florian, Mathis, Cyril. Merci à vous, les amis, d'être là. Dis-leur que j'ai bien 25 ans, s'il te plaît, ils vont me gonfler sur le chat. Parce que ça, c'est l'histoire de ma vie, on ne me croit jamais sur mon âge. Ouais. Oui, alors sur le chat, sur YouTube, hein, pour ceux qui nous suivent sur YouTube, ils mettent en doute que tu n'es que 25 ans. Ils m'ont mis hors taxe, hors les salauds. C'est la casquette, ça, Samuel. Mais ouais, si je l'enlève, on dirait que j'ai 10 ans de plus, hein, parce que il me manque quand même quelques poils sur le caillou, malheureusement. Ouais, bon, ben, ça arrive hein, avec l'âge. Hein, il y en a très jeunes hein, qui ont une calvitie. Hein. Voilà. Alors, ils mettent qu'ils aiment bien te charrier hein, sur le chat. Hein. Mais oui, c'est bon enfant. C'est bon enfant. Oui, toujours. Tout à fait. Alors, le sommaire de cette émission. Première partie avec Marc Vernet. Il est là parce qu'il sort un livre qui s'appelle « Il était une fois dans un monde foot ». Je vous le montre. Donc, on va, hop, on le voit à la caméra. Alors là, on voit Gino. Voilà, hop. « Il était une fois dans un monde foot », où il raconte ses souvenirs, un inventaire un peu de tout ce qu'il a vécu. Donc, on consacrera cette première partie jusqu'à 20h à ses échanges. Ensuite, on parlera d'Atem Ben Arfa. Est-il la recrue qu'il fallait aux Girondins de Bordeaux? Messieurs, je vous poserai la question. On recevra Jonathan au téléphone. Ensuite, on parlera du mercato des Girondins. Est-ce qu'il est terminé? Puisqu'on a un joueur alors que le mercato est terminé. Donc, on peut s'interroger. Bordeaux peut encore recruter des joueurs s'ils le veulent. Quatrième partie, on a fait une petite simulation de la composition d'équipe dans laquelle pourrait évoluer Atem Ben Arfa. Donc, on discutera ensemble pour savoir à quel poste il peut jouer. Et enfin, on parlera de cet OM Bordeaux.
avant ça, je vais faire comme dans le club des 5, comme fait Samuel Vasselin. Avant ça, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Envoyez un pouce vers le haut si vous aimez ce qu'on fait. Parce qu'on est à 4250 fans sur cette chaîne YouTube. J'aimerais bien qu'on arrive aux 4500 un jour quand même. Donc là, on est presque une centaine de connectés. Je pense que ça devrait encore monter. Si vous vous abonnez tous, on va y arriver. Voilà. Donc en plus, c'est gratuit. C'est juste un petit follow. Voilà. Et d'ailleurs... Comme on m'a reproché la semaine dernière de ne pas relayer les interventions sur le chat, qui sont nombreuses, et que c'est difficile des fois de suivre ce que vous dites, et en même temps de suivre ce qui se dit pour le chat, pour relayer toutes vos interventions, eh bien écoutez, je vous propose, vous, internautes, si vous souhaitez nous rejoindre dans cette émission, pour relayer les commentaires sur le chat, ben contactez-moi si vous avez envie de participer avec nous. Venez, vous consacrerez à tout ce qui est l'animation du chat et des réseaux sociaux. C'est avec plaisir qu'on vous accueille. Voilà. Comme ça, ça fera un membre de plus dans cette équipe. Messieurs, je pense que j'ai fait l'introduction. Marc, c'est à nous. Je suis ravi de vous avoir, puisque vous étiez emblématique. Quand j'ai parlé, je crois, à Jonathan de votre venue, il m'a dit « Ah, est-ce que c'est pas le kiné qui avait souvent un bonnet sur la tête ?» Et c'est vous qu'on voyait souvent venir soigner les joueurs au milieu du terrain. Est-ce que c'est bien ça ? Ben oui, c'est bien ça. Ouais. Le bonnet, souvent, oui. Ouais. Surtout l'hiver. Bon, je sais pas pourquoi j'avais cette image en fait justement du kiné qui courait avec le bonnet. Je sais pas pourquoi. Et dessus, je me suis dit, ben je sais pas, ça m'a fait tilt directement en fait. Du coup, parce que j'ai pas le cheveu. Ah ben après ça, je voyais pas à l'époque. Du coup. Ouais. Bon, Marc, comment on se retrouve donc kinésithérapeute des Girondins de Bordeaux? Comment ça... Moi, j'ai fait kiné pour être kiné du sport. Et dès que j'ai travaillé, je me suis occupé de sportifs au Racing Club de France à Paris. Et j'ai été kiné de l'équipe de France d'athlétisme pendant 10 ans. Et j'ai fait 2 Jeux Olympiques avec l'équipe de France d'athlétisme. Ouais, j'ai vu que vous avez fait Los Angeles et Séoul. Ouais, exact. Mmh. Belle expérience. Et comment vous arrivez à Bordeaux? Alors bon, moi j'ai lu le livre, donc je le sais un peu. Comment vous arrivez et le contact avec Claude Bèze, comment ça se passe? Bon, je suis arrivé parce que en fait ils cherchaient un kiné à plein temps, et je pense réellement qu'ils ont été cherchés sur la liste des kinés olympiques. Et il y avait un de mes confrères qui habitait Bordeaux, qui était aussi en équipe de France. Et je pense qu'il y a eu des liaisons, et moi j'ai accepté et je suis venu. Et le contact avec Claude Bèze a été super. Moi, j'ai eu un super contact avec lui. Normalement, j'avais un essai de 3 mois, mais au bout d'un mois, il m'a dit « Ouais, bon, c'est bon. » Et pour ça, je lui en serais reconnaissant. Voilà, donc vous avez vécu énormément d'époques au Girondins de Bordeaux. Samuel, Dino, si vous voulez intervenir, Joe, n'hésitez pas pour poser les questions. Vous avez connu beaucoup d'époques, beaucoup d'entraîneurs, des présidents différents. Quand vous arrivez, c'est Aimé Jacquet qui est là? Non, c'est Goethals. Goethals. Ouais. En fait, Jacquet avait été l'année précédente et c'était Goethals qui avait repris l'équipe. Comment ça se passe? Il y a une anecdote d'ailleurs dans le livre avec Goethals. Je ne sais pas si vous pouvez la raconter, je remonte le livre. Une anecdote, donc c'est de lui dont vous parlez, parce que dans le livre, vous donnez un peu votre sentiment sur tous les personnages que vous avez rencontrés au Girondins, ouais. Les présidents. C'est mon sentiment personnel, donc j'engage personne. Oui. C'est ce que je pense de ce que j'ai vécu et ce que je pense des gens que j'ai côtoyés. Voilà. Et donc, sans les nommer par contre, vous donnez un indice parfois et on doit deviner de qui il s'agit. Bon, on devine facilement hein, quand on connaît les Girondins. Ouais. Mais pour les gens qui ne connaissent pas, ils ne devinent pas. Hein. Ouais. Il faut qu'ils cherchent. L'anecdote sur Goethals, c'est après, je vous demanderai de nous dire un peu comment ça se passe, la vie d'un kiné. On va commencer par ça. Et après, l'anecdote sur Goethals, là se passe la vie d'un kiné parce qu'on ne se rend pas compte, parce que nous, on regarde les joueurs évoluer. Mais à côté de ça, il y a un kiné, il y a un médecin, il y a l'intendant, il y a le manager. C'est une petite ville, un peu. Oui. Bah, le kiné, de toute façon, on est toujours là, pratiquement en permanence. Du matin jusqu'au soir. Surtout au début, j'étais tout seul comme kiné, donc j'étais vraiment là du matin jusqu'au soir. Et le boulot, c'est le boulot de kiné.
Bon, le boulot du kiné du sport, c'est un peu particulier parce que on va soigner même les petits bobos, on va faire aussi soigner les têtes de temps en temps. C'est hyper intéressant, c'est très prenant. Quand on part en déplacement, on travaille souvent très tard le soir et le matin, on se lève relativement tôt aussi pour le petit déjeuner. Et on reste à disposition des joueurs pendant la journée. C'est-à-dire vous êtes à disposition 24-24 du matin au soir, parce que les massages, c'est quoi? C'est avant l'entraînement, le soir pour se relaxer, c'est... Après, il n'y a pas que les massages. Hein. On fait beaucoup de soins avant, après. Des soins, quand il y a des blessés, bien sûr, on les soigne. Et les massages sont très importants aussi. Au bout de quelques années, vous avez massé un certain nombre de personnes et vous avez passé un certain nombre de temps à masser. Mais ça fait partie du métier et c'est une partie importante. Samuel, tu te rends compte, il en a vu passer des cuisses de champion. C'est ce que je me suis dit. Oui, mais c'est surtout ce qui est énorme dans cette période de 30 ans, c'est nous en tant que supporters en plus, c'est d'imaginer le nombre de légendes côtoyées, parce qu'il y a des légendes sur cette période. Déjà, voilà, si on prend dans les années 90, on pense déjà au plus grand. Et c'est aussi ça qui doit être énorme, je pense, de voir ces mecs-là grandir. Il y a Zidane, bien sûr, parce que c'est Zidane, mais tu as aussi la bande à Zidane, entre guillemets, avec du Gary Elisa qui était très jeune au club. Puis après, voilà, on va pas faire la liste du nombre de cracks, mais les années 2000, Will Thorne, Paoletta, j'en oublie plein, mais je veux dire, voilà, Gourcuff, Chamac, je veux dire que des joueurs qui sont aujourd'hui dans l'histoire du club, quoi. Donc c'est vrai que c'est un poste qui est beaucoup moins mis en avant que le reste, mais n'empêche, l'expérience qu'on doit acquérir après tout ça, c'est énorme. Dans la vie d'un groupe, on connaît à peu près tout ce qui se passe, quoi. Ouais, vous devez avoir des anecdotes. Vous faites partie de la famille Girondins. Alors après, ça reste quand même professionnel. Donc, je ne sais pas s'il y a des liens qui se créent comme ça entre vous et les joueurs, entre vous et l'entraîneur. Oui, il y a des liens qui se créent. Après, c'est toujours difficile parce que vous avez toujours des gens avec qui vous entendez mieux que d'autres, forcément. Mais au bout du compte, vous devez soigner tout le monde. Et c'est ça qui fait aussi le charme du métier. Hein. Parce que dans un cabinet de kiné lambda, c'est un peu pareil. Vous avez des gens qui viennent de partout, qui ont des pathologies différentes et il faut les soigner. Est-ce qu'on voit des joueurs qui sont un peu plus, sans donner d'exemple, c'est pas le but, mais des joueurs qui sont un peu plus laxistes sur leur rééducation, sur leurs soins, justement. Est-ce qu'il y en a des joueurs comme ça avec qui, du coup, c'est un peu insupportable de travailler parce que le boulot, c'est de les remettre le plus vite sur pied, mais eux ne sont pas forcément très sérieux. Globalement, moi, j'ai eu très peu de gens comme ça. En général, quand ils sont blessés, ils veulent revenir rapidement. Mais justement, des fois, il faut les freiner parce qu'ils ont tendance à vouloir passer les étapes. Mais sinon, vous avez plus des joueurs qui sont attentifs à leurs soins. Sans citer de nom, il y en a qui étaient blessés, qui désiraient revenir et ils étaient assidus aux soins et ils écoutaient ce qu'on leur disait. Donc, c'était bien, quoi. Lesquels, par exemple? On peut les citer, c'est plutôt positif, là. Jean-Philippe Durand, vous ne connaissez pas forcément tous, c'était un super joueur. Et lui, il est arrivé blessé. Et moi, je le soignais matin et soir en 89. Mmh. Ouais. Enfin, matin et après-midi, pas le soir quand même. Et il y en a eu d'autres. Ça me revient pas à l'esprit, mais... Zidane, si... il était comment, Zidane, par exemple? Bon, on pense toujours tout de suite à Zidane, mais... Mais c'est un super mec. Et moi, je l'ai rencontré plus tard, et il n'avait pas changé. Pas d'un iota. Il est toujours pareil, il est toujours simple, toujours agréable. Les premières questions qu'il vous pose, c'est comment va la famille?
Ils vous parlent pas de foot, ils vous parlent de ce qui se passe autour. Quoi. Donc, c'est l'image qui donne, et c'est vraiment un super, super bonhomme. Gino, Joe. Ouais, Marc, est-ce qu'il y a eu des liens particuliers avec certains joueurs sur certaines situations, par exemple des joueurs qu'on aurait pu remettre un peu à temps pour certains matchs, qui vous l'auraient rendu amicalement, comme ça, est-ce qu'il y a eu des attaches particulières? Oui, il y a quelques joueurs avec qui, je vous ai cité Jean-Philippe Durand, mais il y en a d'autres. Il y a plus récemment, il y a un joueur avec qui je m'entendais super bien et dont je me suis occupé beaucoup, c'est Marc Planus. Après, je peux citer Lilian Lassande. Même avec Paoletta, on s'entendait bien. Il y a plein de petits liens qui se créent. Après, des liens d'amitié, c'est difficile. Bon, Jean-Philippe Durand, c'est un de mes amis. Je pense que Lilian aussi. Après, il y en a un qui est actuellement avec les pros, c'est Yaroslav Plazil. Qui est quelqu'un que j'aime beaucoup et qui est très attachant. Forcément, il y a des liens. D'ailleurs, dans le livre, juste, vous décrivez joueur par joueur ce que vous pensez d'eux. Et juste, je te donne la parole après, Samuel. Mais il y a une image où je me rappelle, je crois que c'est Paoletta qui revient de blessure. Il marque un but et il va saluer un membre du staff médical sur le banc. Je ne sais pas si c'est vous ou si c'est quelqu'un d'autre. Est-ce que vous vous rappelez de ça? C'était à l'Escure. Ouais, mais je sais plus si c'est moi ou si c'est un de mes collègues. Et il vient rendre hommage au staff médical en remerciant parce qu'il venait de marquer, il revenait d'une longue blessure. Vous avez parlé de Didier Tolo aussi longuement dans le livre, où il a son grave accident de voiture et il travaille, il revient quoi pour ce match face au Milan. Didier fait partie aussi des gens avec qui j'ai conservé des contacts, même quand il était entraîneur en Suisse, j'avais des contacts avec lui. Donc forcément, il y a des liens. Après, vous ne pouvez pas être ami avec tout le monde, hein, oui, bien sûr. Ouais, Samuel. Et après, non, moi, c'est intéressant que vous parliez de Planus, parce que moi, ça fait partie des choses qui m'intriguent. Comment on gère, même mentalement, avec ce genre de joueurs qui sont des cadors du championnat, mais qui pendant 18-24 mois sont inaptes au foot parce qu'ils sont tout le temps blessés et qui mettent beaucoup de temps à revenir. Comment ça se gère aussi de par la relation, mais surtout de par le travail et la psychologie qui est fait avec le joueur, parce que ça semble quand même compliqué avec ce genre de mecs-là qui veulent absolument jouer, qui veulent être utiles, titulaires pour l'équipe, qui sont des vrais patrons, mais qui sont par leur physique. Alors, il y a Gourcuff, mais c'était plutôt à Lyon et à Rennes. Mais Planus, par exemple, c'était vraiment à Bordeaux où on a eu cette période de 18-24 mois où ça devenait une petite blague entre supporters. On se disait, Planus, on ne compte pas sur lui la semaine prochaine parce qu'il sera encore blessé. Quoi. On ne rappelle plus de ça, moi. Oui, mais Marc, il était très sérieux. Tous les soins, il les faisait et il n'a jamais été. Moi, je ne l'ai pas connu râlant pour sa blessure ou autre chose. Il était présent, toujours. Et puis, en plus, c'est une personne... Pour moi, c'est une personne intelligente. Et d'ailleurs, il a fait quand même une carrière assez impressionnante. Et puis, il est resté toujours à Bordeaux. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, il a fait la préface de votre livre. Marc Planus, ouais. C'est lui qui fait la préface du livre. Ouais, voilà. D'ailleurs, il a fait une préface qui est étonnante. Oui. Il est dans l'art maintenant, lui. Il travaille dans l'architecture, je crois. Architecture. Architecte d'intérieur. Architecte d'intérieur, ouais, c'est incroyable. Il avait commencé à faire des études quand il était joueur. Sur le chat, il y a Florian, il dit « Vous devez avoir énormément de secrets de vestiaire. Vous devez en connaître énormément. » Oui, mais bon... Ils sont pas tous à révéler. Les secrets d'Archeville, on peut en parler ou pas? Jean-Claude d'Archeville, tiens, il n'y a pas un petit quelque chose de croustillant? Non, mais c'était. Au moins, on rigolait beaucoup avec lui. Il avait toujours une plaisanterie à faire, pratiquement tous les jours. Donc, c'est vraiment un mec, un joueur agréable et bon.
Après, les petits secrets, non. Il y en a qu'on ne peut pas révéler. Joe, tu voulais intervenir, Joe. Non, moi, j'ai deux petites questions. Déjà, est-ce qu'en 89, quand vous êtes arrivé, est-ce que c'était une innovation d'avoir un kiné pour un club au Girondins de Bordeaux, et c'est notamment avec Claude Bèze, ou est-ce que c'était déjà monnaie courante dans les clubs de foot professionnels? Non, c'était pas monnaie courante d'avoir un kiné à plein temps. Il y avait certains clubs comme Monaco qui avaient un kiné à plein temps et le PSG. Je pense que Lyon aussi, mais d'une manière différente. Et là, le plein temps, c'est à partir de ce moment-là qu'on a vu dans les clubs des kinés à plein temps. Et c'était déjà une innovation un peu de Claude Bèze. Ouais. Mm-hmm. Avant, les kinés qui travaillaient au Girondins, ils avaient un cabinet et ils venaient ponctuellement. Mm. Bon, ils venaient sur les matchs aussi, hein, quand même. Est-ce que je vous laisse raconter l'anecdote sur Goethals? J'y reviens parce qu'on en a parlé au début, ou vous voulez que je la raconte? Laquelle des deux? Laquelle? Alors, mais une où il reste coincé, c'est-à-dire que vous êtes dans le vestiaire, alors où il reste coincé dans les toilettes, et que le match démarre sans le coach sur le banc. Ouais. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il est parti aux toilettes juste avant que tout le monde sorte du vestiaire, et le manager a fermé le vestiaire comme à chaque fois. Et quand on est arrivé sur le banc, on savait pas où il était. Et après, on s'est rendu compte qu'il était peut-être enfermé dans le vestiaire. Et lui, on l'a fait ressortir, bien évidemment. Et il a pris ça à la rigolade. En fait, il a rigolé avec son accent belge. Il l'a pris à la rigolade. Raymond Goethals, oui. C'est vrai que c'est... Et c'était un match de Coupe d'Europe, ça, non? Je ne sais plus. Non, je crois pas. Je crois que c'était un match de championnat. Ouais. Et il y a une deuxième petite anecdote sur lui, mais je ne me souviens plus laquelle c'est. Peut-être allez-vous la donner. Il jouait aux cartes en fumant des gauloises. Et il faisait rire tout le monde parce qu'il avait toujours des blagues, plus ou moins des blagues belges. Ouais, c'est vrai que c'était un monsieur, hein, Raymond. C'était un personnage, hein. Ouais. Mais très agréable. Qui est parti à Marseille ensuite. Hein. Ouais. Malheureusement. Il a gagné une petite Coupe d'Europe. Il a gagné la Coupe d'Europe, voilà. Voilà, une petite. Voilà, c'est vrai. Je ne sais pas si vous avez des questions. On peut passer en revue quand même ce que vous dites sur les entraîneurs. Quel est le rapport du kiné à l'entraîneur? J'ai l'impression que c'est très spécial. Hein. Il y en a que vous avez beaucoup apprécié et d'autres beaucoup moins. Oui. Mais déjà, nous, on est quand même on doit avoir des rapports avec les entraîneurs. Ne serait-ce que quand il y a des blessés, passer l'information. Bon, il y a le médecin. Hein. Au-dessus, il y a le médecin quand même, hein, qui c'est lui qui doit gérer les rapports avec l'entraîneur, médical entraîneur. Mais nous, on travaille sur les joueurs, et donc les entraîneurs, souvent, viennent nous demander à nous ce qu'on en pense. Et à partir de là, on vit quand même toute l'année, pas 24-24, mais presque, avec le staff. Et donc, on est toujours en rapport avec les entraîneurs. Bon, allez, on va pas tout dévoiler sur le livre. Si vous êtes supporter des Girondins, ce livre, il va vous intéresser, parce que vous donnez votre avis sur pas mal de personnalités. Celui, l'entraîneur, avec lequel c'était le plus compliqué. Bon, on peut le nommer. Vous l'appelez, alors c'est moi qui vais le dire, parce que vous l'avez écrit, Monsieur Je Sais Tout. Son adjoint faisait un super boulot, mais parfois les rapports humains furent difficiles, du moins au début. Ensuite, je réussis un peu à échanger plus facilement avec lui. Les résultats étaient bons, mais le coach en chef, curieux personnage. Ouais, bon, c'est Laurent Blanc. Moi, Laurent Blanc, c'était compliqué ou quoi avec lui? Ouais. Pour moi, oui. Ouais, d'accord. Ouais, pour moi, oui. Parce que c'était pas, je m'entendais pas avec lui, quoi. Voilà. Bon, Gasset, par contre, vous mettez en valeur le Jean-Louis le Gasset, coach adjoint. Et vous retrouvez un peu Gasset, vous trouvez qu'il a changé par rapport à aujourd'hui? Non, je pense pas. C'est quelqu'un d'intéressant, qui est intelligent, qui est sympa, qui fait du bon boulot, je pense qu'avec les joueurs, ça passe très bien. Donc, c'est un bon coach. Pour moi, c'est toujours pareil. Oui. C'est mon avis. Oui. C'est mon avis. Mmh. Après, je sais qu'il y a plein de gens qui n'auront pas le même avis que moi, mais c'est pas grave. Moi, j'ai une petite question justement par rapport à ça. J'ai toujours en travers, moi, cette deuxième partie de saison en 2010 où l'équipe s'effondre complètement et
Je me rappelle surtout de l'état physique des joueurs où la moitié de l'effectif était blessé. Est-ce que justement, à ce moment-là, le club s'est pas vu trop beau, le coach n'a pas eu trop d'ambition à ce moment-là, il n'a pas poussé les joueurs un peu trop avec trop d'objectifs et trop d'ambition derrière parce que l'état physique des joueurs était catastrophique à la fin, quoi, du coup. La moitié était blessée, quoi. Je sais pas trop parce que à cette époque-là, on avait fait une première partie de championnat où il y avait, je crois, on avait 42 points à la trêve. Mmh. Pas si vous. On avait 15 points d'avance. Mieux que moi. Et donc, c'était quand même extraordinaire. Si on continuait sur la même lancée, il n'y aurait pas eu de problème pour le titre. Et puis après, ça s'est effondré. Pourquoi ? Moi, je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Comment vous l'avez vécu de l'intérieur ? Comment vous l'avez vécu, ça ? Ouais, c'était pas très bon. Pas très agréable. Surtout que quand vous êtes à la trêve à ce niveau-là et que après vous vous plongez complètement avec des gens qui sont blessés, avec peut-être l'ambiance était un peu. Je me souviens plus très bien. Vous voyez, j'ai un peu oublié, mais je pense que l'ambiance était pas terrible non plus. Après, apparemment, le vestiaire était ce qu'on disait à l'époque, était fissuré entre. La branche entre guillemets sud-américaine qui était très présente et qui avait été intégrée sous Ricardo et la fibre équipe de France parce que mine de rien je crois que c'est du moins dans l'histoire du 21e siècle le moment où Bordeaux fournissait le plus les Bleus et il y avait eu des rumeurs à l'époque pour dire que Blanc avait un vestiaire coupé en deux et que quand sa tête était sa tête était tombée, puisqu'il avait décidé de partir, mais ça avait fait la fête dans une partie du vestiaire. Ouais, alors là, franchement, là, je ne vais pas raconter des histoires. Je ne me souviens plus bien de ce qui s'est passé. Nous, au niveau du médical, on bossait parce qu'il y avait des blessés. Après, je pense que l'ambiance n'était pas terrible. Et bon, nous, on n'est pas non plus. Complètement dans le vestiaire quand il y a des réunions des joueurs dans le vestiaire ou avec les entraîneurs, nous on n'y est pas. Vous parlez de Ricardo, vous dites si tous les entraîneurs étaient comme lui, ça serait parfait. Pourquoi ? Bon, ça c'est pareil, c'est mon avis parce que c'est un homme intelligent, très intéressant. Et puis on avait des rapports humains super avec lui quoi. Enfin, moi j'avais des rapports humains super avec lui. Mais il y a eu aussi Francis Gillot qui était avec ses adjoints, notamment Alain Bénodet, qui était des personnes intéressantes et avec qui on aimait travailler. Ouais. J'ai discuté récemment, très récemment, avec Serge Dubot, l'ancien médecin du club que vous devez connaître très bien, et qui me parlait de Ricardo, je crois que c'était la semaine dernière, et il me disait qu'il s'entendait très très bien, il me disait beaucoup, beaucoup de compliments sur Ricardo lui aussi. Hein. Donc, Ricardo a vraiment marqué tous les clubs où il est passé par sa gentillesse et son ouverture d'esprit. Hein. Ouais, Gino, l'homme est beaucoup aimé, Nico. Hein. Oui. Enfin, moi, j'ai eu une expérience personnelle, par exemple, par rapport à Ricardo. En 2007, la LICRA organise quelque chose en Gironde pour beaucoup de jeunes. Et il y a deux joueurs des Girondins qui viennent avec Ricardo ce jour-là. C'est Mavouba et Chamac qui viennent dans la lutte contre le racisme et pour parler à des jeunes notamment. Et Ricardo est venu ce jour-là. Il n'était pas prévu au programme. Et il est resté une demi-heure 45 minutes à discuter avec nous. Et vraiment super intéressant. Quoi. Et on sent... un homme très ouvert et très ouvert d'esprit et assez proche, en fait, dans sa manière de parler, de discuter. Donc voilà, moi, ça ne m'étonne pas trop. Toi, Samuel, alors, ce n'est pas ta génération, Ricardo, mais bon, tu vis sur Paris. Tu vis sur Paris. Il a joué au PSG. Tu dois côtoyer énormément entre tes collègues journalistes pour parisiens. Le coup, non, Ricardo, c'est non, mes collègues, malheureusement, ils ont à peu près mon âge, pour la plupart. Ou alors, c'est des supporters parisiens, donc voilà. Elle a joué au PSG après. Oui, mais tu sais, eux, ils se souviennent que de nouvelles stars.
Ils ont oublié qu'ils avaient un semblant d'histoire avant 2011. Et ça les arrange d'ailleurs. Non, plus sérieusement, c'était pas, je sais pas pourquoi j'ai envie de mettre un taquet au Paris. C'était gratuit. Non, tu peux t'attaquer. Tu m'as lancé, c'était gratuit. Vas-y. Mais je les salue, hein, s'ils nous écoutent, je les aime beaucoup. Ricardo, c'est deux belles années à Bordeaux. Je me souviens, j'ai pas une histoire aussi profonde que Gino, mais moi, je me souviens être allé voir les entraînements quand je venais les étés. C'est vrai que c'était, il y avait une atmosphère très sympathique qui se dégageait de ce groupe, de cette équipe. Pour moi, la dernière saison de Ricardo est ratée, surtout sur la fin, parce que j'ai trouvé qu'il avait fait n'importe quoi, notamment tactiquement sur les derniers matchs, et que c'est à cause de lui qu'on joue pas la C1, selon moi, en cette fin de saison en 2007. Mais sinon, je trouvais que c'était un entraîneur très agréable, avec voilà une équipe très agréable. Il y a la Coupe de la Ligue qui est à l'image du jeu qu'on produisait, à savoir une équipe qui pouvait surprendre n'importe qui. Non, franchement, Ricardo, c'est des belles années, c'est des bons souvenirs, c'est des très très bons joueurs qui ont intégré Bordeaux à ce moment-là. Je pense notamment en tête de gondole à Wendell, à Fernando, à Enrique, à Alonso, Denilson, dans une moindre mesure, notre ami Edison Perea, qui jouait pas beaucoup, mais en qui on a tous cru pendant longtemps. Il les a tous côtoyés, voilà, Marc, hein, ces joueurs-là, tous. Hein. Exactement, ça qui est fou. C'est des beaux souvenirs. Je me souviens des mercato les étés où tu avais Alonso, Enrique, Perea qui étaient arrivés ensemble. Les trois, personne ne les connaissait en Europe. Et pour deux de ces trois mecs-là, c'est devenu... de patron hein, du championnat. Ouais, parce qu'Alonso, que ce soit à Bordeaux ou à Monaco, ça a été un bon joueur costaud. Enrique, on ne le présente plus à Bordeaux. Bon, des souvenirs sur les joueurs brésiliens, Marc, à partager ? Oui, cher son nom, Menegasso, par exemple. Ah oui, Menegasso, ouais. qui est quelqu'un de très gentil en plus, de très agréable et puis de marrant aussi. C'est et un super joueur. Enfin, moi, je trouvais c'est un super joueur. Bon, mais... une certaine classe. Ouais. Ouais. Il y en a un qui demande sur le chat, c'est Florian Jodoin, il demande le souvenir le plus marquant ou l'un des souvenirs les plus marquants justement de Marc dans sa carrière au Girondin, du coup. Le premier titre de champion de France. Avec Eli Bock. 99. Non, ouais. 99, oui, avec Bock. Et... Ouais. Exceptionnel. Ouais. Ah ouais, même tout ce qui s'est passé sur le terrain, après l'arrivée sur Bordeaux, enfin, c'était vraiment très chouette. Et puis, je pense que l'équipe, elle était... On s'entendait tous bien. C'est aussi bien les joueurs que le médical... Le staff à cette époque-là aussi, ça allait très bien. Donc, c'est un super souvenir. Ouais. Moi, j'étais à l'Escure hein, quand vous êtes revenu. Vous y étiez au milieu du, aussi, ouais. du ouais, stade. Oui, oui. Ouais, vous y étiez. Et d'ailleurs, Eli Bock, vous dites dans le livre, vous décrivez un peu son changement d'attitude bon, que vous avez perçu hein, par rapport à ces 7 années où il est resté quand même entraîneur des Girondins. Et vous décrivez ça de manière assez négative, j'ai l'impression. Plus le temps passe, plus ça se gâte. Ouais, mais bon, ça c'est l'humain, je crois. C'est l'humain. Il a connu les sommets, et puis après ça allait moins bien, donc. Ça allait moins bien. Bon, d'accord. Non, puis au départ, il devait pas être coach. Au départ, c'était l'adjoint. C'était un adjoint de Guy Stéphan au départ. Oui. Il a été nommé au départ un peu par défaut, entre guillemets. Donc, est-ce qu'il avait prévu après de faire. Je pense que chaque année, il devait se dire est-ce que je continue ou pas. Ça donnait un peu cette impression-là par moment. Il était installé après Joe Kahn, puisqu'il avait eu les résultats et puis il était européen tous les ans, Bob. Je pense que c'était plus une lassitude et le fait de ne pas avoir les moyens, peut-être par rapport à ce qu'il voulait faire. Et il y avait beaucoup d'offres aussi d'autres clubs français. Je me rappelle bien, il y avait Marseille qui était déjà sur lui à l'époque. On rate quand même la Ligue des Champions 2 années d'affilée sur la dernière journée à Bastia et à Metz en 2000 et 2001. Ah ouais. C'est peut-être à ce moment-là où il a commencé peut-être à... Il y a l'anecdote sur la casquette. Alors, vous ne dites pas que c'est Eli Bock, mais vous dites « Sur la fin, comme cela marchait un peu moins bien, il essaya de diviser pour mieux régner. » Ah, ça balance. Au repère, on parle lui... de Samuel là du coup. Non, casquette. Non. Alors il parle d'Eli Bock. Hein. Sur la fin, comme cela marchait un peu moins bien, il essaya de diviser pour mieux régner. Au repère, lui.
Non, il n'y a pas marqué Libob, c'est moi qui le dis. Au repas, lui et son adjoint gardaient leur casquette. Une ou deux fois, je me permis de leur dire que c'était impoli vis-à-vis des autres. Sans résultat. Il resta 7 ans, sûrement une performance en termes de longévité pour un entraîneur au club. Oui, ça c'est sûr. C'est celui qui est resté le plus longtemps des 30 dernières années. Hein, et juste une question, Marc. Vous êtes parti en quelle année de Bordeaux, les Girondins ? 2019. Juin 2019. Vous êtes parti au bon moment, quoi. Oui, mais les 3 dernières années, en fait, je travaillais au centre de formation parce que j'ai une épaule qui m'a lâché en 2013. Et je pouvais plus travailler. Déjà, je pouvais plus travailler comme kiné réellement avec les pros. Donc, je suis allé travailler avec les jeunes. Mmh. Et c'était très bien aussi. Mmh. Vous parlez pas de Willy Sagnol dans le livre, ou alors ça m'a échappé. Ah non, Willy Sagnol, il était. Moi, j'étais plus chez les pros. D'accord. Okay. Je mets simplement qu'il y a des coachs qui sont passés, quoi. Après. Mmh. Alors là, je vais vous lire, vous allez essayer de deviner qui c'est, Samuel, Gino et Jonathan et vous sur le chat. 22e saison, un ancien joueur qui avait entraîné en France et à l'étranger arriva. Encore une surprise. Il parlait beaucoup, surtout en petit comité, mais peu avec les joueurs. Un ego surdimensionné. Encore un qui avait tout connu, fatigant à la longue. Boum. D'après vous, qui c'est ? Jeannot. Ouais, c'est Jeannot. Tigana. Tigana, ouais. Je sais pas. Bon, mais qu'est-ce que vous avez dit, Marc ? Je sais pas. Non, ouais. Moi, je l'avais pas vu comme ça, Tigana. C'était sa dernière expérience d'entraîneur, les Girondins. Ouais. Mmh. Bon, on a tout senti, même les échos qu'il y a, Tigana, ça n'a pas été le grand amour entre les joueurs et lui. Et de toute façon, on l'a bien vu, il est parti très vite après derrière, de toute façon. Donc, c'est qu'il y a quelque chose qui fait qu'il clochait, quoi. Tiens, Johan qui est sur le chat, qu'on salue du château Enclos au Mazères. D'ailleurs, mais cette année-là, alors je suis obligé d'aborder le sujet, mais il y avait un bins entre Tigana et Pavon, qui était son adjoint. Ça fonctionnait pas du tout. Ouais, ça, je pense, oui. oui, c'est sûr. Il y avait un dysfonctionnement. Pourtant, Pavon, c'est quelqu'un qui est. Déjà, c'était un super capitaine. Et puis c'était quand même un garçon intéressant à tout point de vue, et je me pense que c'était un bon entraîneur aussi. Après, entraîneur adjoint, c'est pas la même chose que la première place. Donc après, ils avaient sûrement des conflits au niveau de l'entraînement même. Ouais, bon. D'accord, on entend. Ouais. Moi, j'étais pas dans leur bureau quand ils se parlaient de l'entraînement. Ouais. Oui, vous les entendiez de l'extérieur, non ? Non, même pas. Non. C'est trop éloigné, le médical et le bureau des coachs, il est trop éloigné. Bon, ben voilà, il est 20h09. Marc, je ne sais pas si vous voulez ajouter autre chose. Voilà, il y a des anecdotes, vision, votre vision de ce que vous avez vécu. Voilà, votre témoignage que vous apportez. Donc voilà, messieurs, je ne sais pas si vous voulez dire un dernier mot, parce qu'on pourrait discuter une demi-heure de plus, là, vous poser des questions, une heure, sans problème, hein, Marc. Hein, faudra revenir d'ailleurs, si vous êtes d'accord. Si vous voulez. Voilà. On me dit, On me dit, il n'est pas sur Amazon. Pas encore. Non, il ne se vend pas sur Amazon, c'est édition Amalté. Voilà, ça coûte 9,90€. Normalement, c'est sur la plateforme Amazon, mais je pense que les plateformes, elles ont du mal. Sinon, vous le commandez dans une librairie, il est référencé, et sinon, vous le commandez direct à Amalté, et Amalté, ils ne font pas payer le port. Voilà, bon, mais c'est dit, impeccable. Bon, ben merci Marc, et puis je vous dis à bientôt. Vous reviendrez nous voir dès que possible. Allez, au revoir. Salut Marc, merci, à bientôt. Soirée. Merci d'avoir merci été merci, bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bon, messieurs, votre avis ? On a replongé un petit peu dans les bons souvenirs et l'histoire positive des Girondins. Donc, voilà, y a des grands joueurs, il y a eu des titres, il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, ça fait du bien. Ouais, mais c'est vrai que c'est un peu court. Hein. Je n'ai pas vu le temps passer. Je trouve que c'est vraiment trop court même. Je suis en train de le faire quitter. Bah, il a quand même 2 titres de champion de France, une finale de Coupe d'Europe, des Coupes de France, des Coupes de la Ligue hein, sur son palmarès. Je pense qu'il y a de quoi faire. Une à 30 Ligue 2, ans. Une année en Ligue 2 aussi, on n'en a pas parlé. Une année en Ligue 2, un titre effectivement en Ligue 2. Donc, les Ligues des champions, les parcours qu'il y a eu, etc. Je pense qu'il a de quoi...
Il y a de quoi en faire rêver plus d'un, je pense. Ouais, on aurait aimé en savoir un peu plus. Hein. Moi, j'aurais aimé. Enfin, je pense qu'il connaît plein d'histoires qu'il ne peut pas raconter. Pourquoi tu penses que je lui pose la question sur D'Archeville? On aurait pu bien rigoler. Hein. Pourquoi? Parce que D'Archeville, c'était quoi? C'était les vidéos porno, les choses comme ça? Non. J'irai pas plus loin. Ouais, moi, tu sais, je suis journaliste. Hein. Moi, je pose la question. Oui, oui, si oui, la oui, personne oui, a envie de me donner la confidence, oui, on y va. Oui. Si elle me le donne pas, oui, tout à fait. Moutu, c'est bouche couille. Non, mais oui, t'as raison. Oui, non, mais on est d'accord. Hein. On est tout à fait d'accord. Voilà. Bon, messieurs, on va continuer cette émission avec la suite du programme. Bon, c'était sympa. C'est passé très vite. Je pensais pas que ça passerait si vite. c'est quoi la suite? Gino, est-ce que tu as suivi le programme? Qu'est-ce qu'il y a après? Quelle est la deuxième partie? Non, oh, attends, je suis pas sûr. Vas-y, dis-moi, Nico. Allez, c'est Atem Ben Arfa. Est-il la recrue qu'il fallait aux Girondins de Bordeaux? Voilà, c'était pour savoir si tu suivais Gino. Belle technique pour trouver sa feuille. T'as vu? Tu fais pas. Voilà, t'as vu? T'inquiète. C'est Philippe Rizzoli qui faisait ça dans ses émissions, je m'en rappelle. Ouais. Non, mais dans une autre vie, j'animais des réunions. Et hop, tu poses une question à quelqu'un si tu veux. Hop. Tiens, tu peux me rappeler ce qu'on fait après là? Hop, c'est pas mal, ouais. Hop, comme ça. Ça te permet de te retourner. Voilà, la suite encryptée, nous dit Samir. Oui, Samir. Allez-y, les gars, envoyez. Vous êtes nombreux là, presque 200 connectés. Merci à vous. On réinvitera Marc avec plaisir. Envoyez du like et partagez cette vidéo. Atem Ben Arfa, la recrue qu'il fallait aux Girondins. Et je commence par toi, Joe. Est-ce que c'est la recrue qu'il fallait, Joe? Moi, alors déjà, j'ai toujours un a priori sur ce genre de joueur. Parce que j'ai l'impression que ce sont des joueurs qui ne sont pas investis collectivement. Ce sont des purs talents, il n'y a rien à dire. Mais dans les efforts collectifs, j'ai l'impression qu'ils ne sont pas investis. Alors en plus, Ben Arfa, c'est un personnage un peu spécial. On sait qu'il est un peu anti-système, un peu déconnecté, pas trop d'attache. Il n'aime pas le foot actuel, ça se sent. Et franchement, je le comprends par rapport à ça. Maintenant, pour moi, c'est un gros point d'interrogation. Sur les trois dernières saisons, il a fait une saison complète à Rennes. Et on sait qu'à la fin, ce n'est pas très bien fini. C'est pas un joueur qui va apporter l'équipe, comme certains peuvent le dire. Clairement, pour moi, non. Tactiquement, faudra pas lui demander grand chose, et surtout défensivement. Il fera des exploits, mais il sera frustrant parce qu'il va tenter 2, 3, 4, 5 fois avant que ça passe. Quand ça passera, ça sera joli. Mais parfois, ça sera un peu compliqué, on sait, sur certains matchs. Après, le point positif, c'est que il manque de talent à Bordeaux. Lui, c'est purement un talent. C'est un talent pur. Il adore le ballon. Il est là pour ça. La clé pour moi, ça va être le duo Gassé-Ben Arfa. Si ça match entre les deux, pour moi, ça va le faire. Enfin, juste Gassé, c'est celui qui a su tirer le maximum de joueurs qui s'appelle Johan Gourcuff. Ailleurs, il a été mauvais. À Bordeaux, il a été exceptionnel. Est-ce qu'il peut tirer la même chose de Ben Arfa? Je pense pas, mais en tout cas, le mettre sur un bon niveau, je pense que oui. Et il faut surtout aussi que les autres joueurs s'adaptent. Autour, enfin, l'effectif s'adapte justement à Ben Arfa parce qu'il va falloir faire plus d'efforts défensifs parce que lui n'en fera pas des masses. Il va falloir surtout qu'offensivement, ces joueurs créent des mouvements, bougent beaucoup et c'est notre grosse faiblesse offensivement. Donc, est-ce que c'est le joueur adapté pour les Girondins? Pour moi, c'est un point d'interrogation. D'accord. Pour l'instant, j'ai envie de te dire non. D'accord. Bon, Gino et après Samuel. Gino? Non, j'étais plus de l'avis de Jonathan. Donc, voilà, mais je suis en train de me dire qu'est-ce qu'on a à perdre? Ben oui. On ne revire pas de situation, mais je me dis, il a un contrat d'un an, il n'a pas le plus gros salaire de l'effectif, on est vraiment en grande difficulté technique et devant, on n'a pas de cador, hein, soyons clairs. Donc, je suis en train de petit à petit me dire, et si ça pouvait, ben, comme l'a dit Joe, matcher entre lui et Gassé, est-ce qu'il pourrait… se sentir bien, nous faire 2-3 exploits, nous faire vibrer un petit peu, hein, parce que c'est vrai qu'on n'a pas vibré beaucoup ces dernières années. Et qu'est-ce qu'on a à y perdre? Ben rien. C'est ça que je me dis. Eh oui, même réflexion que Joe. Et oui, on voulait un milieu créatif. C'était ça, Samuel, un milieu créatif, on voulait. C'est ce qu'on disait mercredi, jeudi, oui. Je ne sais plus quand ça a été officialisé, mercredi. Oui. Ce qu'on disait mercredi quand on a fait l'émission tous les deux, c'est que, effectivement, quand on nous a parlé de Ben Arfa, le 30 août, le 20 septembre, on disait, les gars, ne nous trompons pas, il y a un mercato. En ce moment, on a 3 milieux de terrain et il n'y a aucune rechange. On nous dit qu'on n'a pas de moyens. S'il faut recruter un joueur, tout de suite, c'est un milieu de terrain. C'est William Cyprien qui était à ce moment-là bien parti pour signer à Bordeaux. Donc oui, à ce moment-là, on était très dubitatif sur l'arrivée de Ben Arfa.
Maintenant, Gino, il vient de le dire. La donne, elle a changé. Le 5 octobre au soir, rien. Nada, Walou, c'était la semaine dernière. Donc forcément, quand on sait qu'au-delà du fait qu'il y a un secteur très, 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 très pauvre, c'est l'ensemble de l'effectif qui manque de profondeur, qui manque de qualité et qui manque de quantité. Donc Ben Arfa, quand on nous dit qu'il arrive deux jours plus tard, bah, il remplit au moins une partie de ces critères-là. Donc effectivement, aujourd'hui, il est là de toute façon. Il est là, il va passer la saison à Bordeaux. C'est un joueur qui, techniquement, Joe l'a dit, c'est un talent, Ben Arfa. C'est peut-être un des joueurs les plus talentueux au monde. Alors, il n'en a pas fait grand-chose, mais en tout cas, c'est un des joueurs les plus talentueux au monde. Donc voilà, encore une fois, ce qu'on disait l'autre jour, souvent, c'est une expérience sur deux. La mauvaise expérience, ils viennent la faire à Valladolid. Espérons que Bordeaux, ce soit l'heure de la bonne expérience, même si moi, je ne crois pas du tout à Atem Ben Arfa qui va porter Bordeaux sur 2-3 saisons. Ce n'est pas une recrue utile. Mais là, dans un cas d'urgence immédiate, je pense que il va pouvoir faire du bien à l'effectif, mais comme un joueur comme Jimmy Briand peut faire du bien cette saison, comme parce que c'est voilà, c'est des joueurs un peu plus âgés, un peu plus vieux, mais qui sont là pour régler aussi un souci quantitatif. Et t'es pas à l'abri qu'ils retrouvent au moins sur le temps d'un match, d'une série ou même d'une saison leur confiance d'il y a quelques temps. Il y a Johan qui nous dit sur le chat, les gars, vous êtes fous, Wang ou Ben Arfa? Ben Arfa. Ah oui. Gino, tu voulais ajouter quelque chose et après on aura Jonathan. Parce que ce qui est important pour moi, c'est aussi ça, c'est que voilà, c'est un coup qui peut se faire. Samuel a très bien décrit tout ça, mais ça sauve pas pour moi le mercato en fait. Et si tu veux, King Street pour moi est longue épée. On l'a bien vu en plus avec la grosse communication qui va être faite autour de Ben Arfa. C'est un peu, on a eu notre mercato, on est content, on est heureux, on a fait venir un génie du foot français quand même, hein, qu'on le veuille ou non, même s'il est en difficulté. Et c'est quand même un mec qui est médiatiquement pèse beaucoup. Et donc, il faut pas que ça fasse oublier le fait que le mercato, il est pour moi totalement loupé. Et Samuel l'a bien dit sur des postes, le milieu de terrain, c'est catastrophique en termes d'effectifs. Et encore, on va nous dire, ah mais non, on a conservé Bazic. On en est là, quoi. On en est à se dire, on conserve les joueurs. Alors, faut quand même pas déconner. Donc, le fait d'avoir Ben Arfa, ok, c'est un joker, c'est quelque chose qui va pouvoir être très intéressant peut-être, et on l'espère tous. Mais on fera le bilan aussi à la fin. Et si malheureusement, il apparaissait que Ben Arfa soit un flop, ça serait un mercato qui serait abyssal en fait. On parle, ça, il faudra juste pas l'oublier. Oui. Juste pour info, Bordeaux a préféré prendre Ben Arfa que Diego Rolland. Hein. Je vous le dis, Diego Rolland a été proposé à Bordeaux les deux derniers jours du mercato. Et Bordeaux a préféré prendre Ben Arfa que Diego Rolland. Donc, je ne suis pas là pour défendre la direction, loin de là, mais pour dire en tant que supporter qu'on s'en sort plutôt bien. Oui, je croyais que tu allais dire que tu préférais que ce soit Diego Rolland qui revienne. Oh non, je l'aime beaucoup, hein, très sympathique, hein, le monsieur, franchement adorable. Le joueur aujourd'hui qui est en Détroit espagnol, qui vient de faire 9 mois à Aruajes au Mexique, là, non, merci. Le cartel. Allez, on accueille Jonathan au téléphone. Salut Joe. Bonsoir messieurs. Bienvenue à toi. Salut. Et merci de m'avoir invité, c'est cool, ça fait plaisir. Eh bien, on t'écoute. Tu t'es manifesté pour participer, donc on n'avait pas pu la dernière fois. Donc, écoute, on revient vers toi. Ben Arfa, qu'est-ce que tu en dis? Eh bien, moi, j'essaie de voir ça le verre à moitié plein, si je me rappelle bien l'expression. Et j'ai envie de voir ça positivement. J'ai envie de me dire, bon, déjà, vu de la tronche du mercato qu'on a eu, au moins, on a quelqu'un. J'étais un peu David Samuel, moi, dès le départ, j'aurais préféré William Cyprien parce qu'on avait vraiment un besoin énorme au milieu. Après, c'est quand même quelque chose d'assez positif quand on voit ce qu'il a fait pour venir, en fait. Il a baissé son salaire. On voit que physiquement, il s'est quand même beaucoup plus entraîné qu'à Rennes, n'empêche, parce qu'il est quand même beaucoup plus affûté qu'à Rennes, de ce que je me souviens. Donc, moi, je vois ça assez positivement. Après, j'ai envie de donner un avis plutôt à la fin de la saison pour voir vraiment le résultat et ce qu'il en donne. Oui. On sait que les premiers mois, premières semaines, on va pas le voir beaucoup, il va falloir qu'il reprenne le rythme, et puis après,
sur la fin de saison. Est-ce que c'est la personne qui va nous permettre de récupérer les points qu'il faut pour grappiller quelques places dont on a besoin? Faut voir. Moi, je reste positif. J'ai envie d'être positif sur ce truc, de voir ça, de l'accueillir à bras ouverts, et puis on verra ce qu'il sera. On a bien accepté Ménès, et puis c'était un échec complet dès les premiers matchs. C'est vrai. Je pense qu'on peut pas faire pire. Hein. Attention, Ben Arfa, moi, je pense que ce sera l'inverse. Hein. Surtout quand on prend son passage à Rennes. Ben Arfa, c'est pas non plus, il est pas dans la situation de Nice où il n'avait pas joué au foot depuis 6 mois. Là, il sort d'une saison à Valladolid où il s'est au moins entraîné, donc il s'est maintenu physiquement. Moi, je pense au contraire que Ben Arfa va très bien démarrer, à l'image de ce qu'il avait fait à Rennes. Début assez intéressant. Et au fur et à mesure, rentrer dans le rang, parce qu'aujourd'hui, il n'a pas forcément la capacité d'élever son niveau de jeu sur toute une saison. Et c'était le cas à Rennes, pour ceux qui regardaient vraiment le Rennes de Julien Stéphan, surtout sur la période janvier-mai, avec ses matchs de Ligue Europa, cette finale de Coupe de France. Ben Arfa a fait des bons matchs, notamment au Benito Villamarine contre le Betis. Mais en réalité, il était quatrième, cinquième élément le plus important du collectif. Il y avait des joueurs qui étaient largement devant lui. Je pense notamment à l'ami Bourigeaud, à Ismail Assar, pour ne citer que. Et encore, je pense qu'on peut. Il me semble qu'il y avait encore Benjamin André, bah oui, du côté de Rennes. Donc voilà, il y avait quand même du beau monde. Donc moi, je le vois plus être dans ce même état d'esprit à Bordeaux. Ce qui m'inquiète, c'est justement surtout avec l'accumulation, beaucoup moins de matchs pour Bordeaux, vu qu'il n'y a pas de Coupe d'Europe et pas de Coupe de la Ligue, mais quand il va y avoir un peu d'accumulation des matchs, la Coupe de France cette année va se jouer beaucoup plus rapidement, etc. Machin. Attention à ce qu'il ne rentre pas un peu dans le rang. Je vois sur le chat Johan qui est très actif et il nous dit, mais on a. C'est vrai que, alors moi je vais aller un peu dans son sens exprès. On voulait un milieu de terrain créateur. On a un milieu de terrain créateur. Alors certes, c'est pas un joueur qui était en activité la saison dernière, mais on a ce créateur qui manquait. C'est lui, Ben Arfa. Et il dit, Johan, il rajoute, la colonne vertébrale de l'équipe, si Ben Arfa est en forme, comme tous les autres joueurs hein, finalement, ben, elle sera pas mal parce que tu auras Kostil, Koscielny, alors bon, au milieu, Otavio, Ben Arfa et l'attaquant. C'est pas un créateur pour moi, Ben Arfa. C'est pas un créateur. Non. Ah bon, c'est quoi alors comme type de jeu? C'est un soliste. Moi, c'est ça, c'est un mec qui va percuter quoi. C'est un, enfin, je sais pas soliste, mais non, Ben Arfa c'est un détonateur plus qu'un, voilà, plus que celui qui va faire quelques fulgurances dans un match et qui vont te permettre de marquer un ou deux buts. Après non, un créateur. C'est pas jouer les autres. Rappelez-vous à Nice ou Puel dans le 4-4 de Losange, Ben Arfa était. Du coup, plutôt, hein, il avait deux attaquants qui étaient qui participaient beaucoup au jeu. Ben non, il jouait Baron devant avec Germain qui participait beaucoup au jeu. Et c'était derrière que ça organisait un peu plus. Il y avait Nampalis Mendy, il y avait Cosiello à l'époque. C'était pas lui qui allait créer le jeu. Lui, c'était plutôt les 30 derniers mètres, quoi. C'est un électron libre. Ouais. Sur le chat, on nous dit ça va forcer Depréville à se bouger les fesses, nous dit Five Hermanos. Oh, allez, on va regarder tout de suite dans quelle position on peut le faire jouer. Alors, vous dites que ce n'est pas un créateur. Moi, je voyais plus quand même un joueur qui fait la différence, qui fait jouer les autres. Parce que quand on regarde ses stats, alors il marque, mais il fait marquer aussi. C'est une de ses caractéristiques, même s'il marque plus. Après, comme il est plus âgé, peut-être qu'il va essayer d'être un peu plus créateur et que Gasset, il a peut-être cette envie de le faire plonger un peu plus en 10 ou 9,5 pour essayer de faire jouer son jeu de passe, sa vision de jeu et ses petites figurances. C'est peut-être ça qu'il a envie. Comme il a 33 ans, il faut aussi prendre ça en compte. Il va plus faire des courses qu'il faisait avant, donc peut-être qu'il aura... il aura un rôle complètement différent et peut-être que Depréville, comme je vois sur le schéma, il sera plus poussé sur la gauche. Voilà, alors, sur la droite. J'ai fait cette composition d'équipe. Dans le 4-2-3-1 que Jean-Louis Gasset aligne régulièrement, il peut pas jouer sur un côté Ben Arfa parce qu'il n'a pas le jus nécessaire pour être un ailier. Son positionnement, je pense le meilleur, ça serait là. Dites-moi ce que vous en pensez, Joe. Qu'est-ce que t'en dis? Alors moi, ce qui me fait peur, c'est les trois que t'as alignés de prévu, Ben Arfa, Kalou. Oui, Ben Arfa, alors là, Kalou. C'était surtout pour le positionner à lui. Hein. Après, à non, côté, non, mais je vois. Non, mais l'idée est bonne. Mais Kalou et Ben Arfa, ce sont les mecs qui font pas spécialement beaucoup de passes, quoi. Qui vont chercher à faire la différence à eux tout seuls.
Donc, si tu as deux joueurs pareils comme ça. Calou, il centre beaucoup quand même. Oui, il essaye, mais tu vois qu'au départ, il va quand même essayer de faire la différence tout seul avant de centrer. Il ne va pas chercher un relais ou quoi que ce soit. Oui. Il va quand même essayer. Ça paye, hein. Par contre, quand il est au top, effectivement, ça aide. Par contre, si tu as Ben Arfa, Calou et Depréville qui, techniquement, au niveau des passes, c'est très compliqué, pour se créer des situations devant, ça va être un peu compliqué pour moi. Hein, parce que Ben Arfa, on sait très bien qu'il ne lève pas trop la tête. Hein. Quand il a le ballon, il va essayer de se faire plaisir. Lui, il aime ça. Il aime se faire plaisir en dribblant, c'est pas du chambrage, c'est juste son jeu. Ouais, mais tu veux le faire jouer comment, du coup? Ben Arfa, je sais qu'il a déjà joué en pointe. Carrément. Il peut, mais c'est rare. Tu sais que le mec ne va pas défendre? Tu sais qu'on n'a pas d'attaquant buteur? Mais est-ce qu'on peut quand même? Il va être obligé de défendre, Gino Samuel. Il va être obligé de défendre Ben Arfa dans cette équipe. Il pourra pas se contenter de. Il pourra pas être exempt, c'est pas Messi, quoi. Bah, moi, dans le 11 que tu as fait, que je trouve cohérent, alors, comme l'a dit Joe, moi je pense que c'est Oudin plutôt qui jouera avec Depréville ou Wang à gauche, parce qu'il va falloir un joueur effectivement soit beaucoup plus travailleur comme Oudin, soit beaucoup plus collectif comme Wang. Alors Wang, il est collectif parce qu'il a surtout pas la capacité de faire la différence tout seul, mais au moins il va faire des efforts que Depréville ne fera peut-être pas, et voilà, Depréville, même s'il a les clés du jeu, c'est un joueur un peu plus soliste. Non, moi je pense qu'il jouera dans ce système-là. Ce qui peut être intéressant, c'est qu'effectivement Maja, Ben Arfa, c'est pas les deux personnes qui défendent le plus, mais au moins quand on voudra attaquer, on aura deux mecs plutôt à l'aise dans les 30-40 derniers mètres, qui seront sur des contre-attaques et qui seront possiblement en supériorité numérique. Non, moi je pense que c'est là où il jouera. De toute façon, je le vois nulle part ailleurs, Ben Arfa. Voilà, franchement, faux neuf, oui, pourquoi pas, mais il faudrait qu'on ait des ailiers qui marquent, et c'est pas le cas. Faux-neuf, pourquoi il était faux-neuf à Rennes? Parce qu'il avait Banyang et Ismail Assar qui étaient pas non plus, surtout Banyang, il venait se relancer, Ismail Assar il débutait, c'était pas non plus des gros buteurs, mais c'était 7-8 buts par saison. Aujourd'hui, nous, on n'a pas des ailiers à 7-8 buts par saison. Gino, son positionnement de Préville, ça va? Non, ça me paraît cohérent, positionnement axial. Après, ça va dépendre de lui, hein. Je pense que voilà, c'est ça. Et sa capacité, eh bien, peut-être à être plus intéressant par la passe, notamment, parce que peut-être qu'il n'aura pas la capacité à faire autant d'exploits individuels qu'il nous a habitués, parce qu'on va voir comment il va être physiquement aussi, et comment dans son jeu il va se développer. Et c'est intéressant par rapport à la relation de ce que va lui demander aussi Gassé, et comment il va s'adapter à cette équipe. Donc, le rôle en lui-même me paraît cohérent de le mettre dans l'axe et à cette position. Après, moi, ce qui m'inquiète, c'est pas son rôle. C'est nos mouvements offensifs qu'on a actuellement sans lui, qui sont juste incohérents, et quand c'est déjà bien quand ça bouge, ce qui n'est pas toujours le cas. Et alors, quand tu as des courses, il y a des fois, tu ne comprends pas trop ce qui se passe, pourquoi ils font ci, pourquoi ils font ça. Dans une attaque où les mecs courent mal ou courent pas à côté, il ne servira pas à grand-chose aussi non plus, quoi. Donc, il ne va pas faire la différence tout seul. Oui, mais il va apporter peut-être une orientation du jeu différente. Hein. Justement, voilà, c'est ça. Mais comme j'ai dit, pour moi, ce n'est pas un joueur qui fera le jeu. Ben non, enfin, il fera pas le jeu pour les autres. Hein. Bon, Jonathan. Quand il fera le jeu, c'est parce que ça lui sera utile sur une action. Quand Ben Arfa va chercher à combiner avec Calou, avec Oudin, avec Depréville, avec Maja, c'est parce que derrière, il sera en position de frappe ou en position de faire la différence sur un joueur adverse. Jonathan, mot de la fin pour toi. Sur Ben Arfa, mot de la fin. Tu espères le voir à Marseille? Moi, ce que je voyais, j'allais revenir sur ce qu'il disait. C'est vrai que de ce que je me référais, de ce qu'on avait vu sur des matchs précédents, c'est vrai qu'on faut pas oublier qu'on joue avec un bloc très bas. On n'a pas une équipe qui va faire beaucoup de pressing. Donc peut-être que c'est ça qui va permettre d'améliorer le jeu. On a des latéraux qui sont très individualistes, qui vont essayer de créer la différence tout seul. On a un Ben Arfa qui va être devant l'attaquant. Peut-être qu'avec un bloc bas et puis Otavio ou Basic ou Zerkan ou même Adi qui vont réussir à faire des passes un peu plus en profondeur ou un jeu plus direct, ça peut-être aider, ça peut permettre de faire un jeu très vite porté vers l'avant. Et là, Ben Arfa, il n'aura plus qu'à se passer au bon endroit, on lui passe le ballon et puis il essaiera de faire une fulgurance pour démarquer ou marquer. Faire marquer ou marquer plutôt. Excusez-moi. Bon, très bien, ben, merci à toi. Jonathan, du côté du Lot-et-Garonne, si je me souviens bien. Bah,
C'est ça. Bah, merci à vous. Allez, et puis passez une très bonne soirée. Merci d'être venu. Salut. Merci. Ciao. Déjà, bon, ben, les gars, sur Ben Arfa, vous avez des choses à ajouter? On clôt le chapitre. Est-ce qu'il sera à Marseille? Peut-être. Dans le groupe, certainement. Covid, hein. Ah oui, Covid. Il a le Covid, c'est vrai. On n'a pas parlé. Mais il n'est pas contagieux, apparemment. Il s'entraîne tous les jours. C'est juste qu'il a chopé avant. Il a chopé il y a quelques mois. Il a encore effectivement apparemment des restes, mais ça m'inquiète un peu, moi, ça. Je sais pas. Même si, je sais pas, ça m'inquiète un peu, cette histoire de Covid. Ce serait bête qu'il contamine les Marseillais. Non, parce qu'apparemment, il n'est pas contagieux. Alors, je comprends pas trop comment marche le Covid, mais d'après, j'ai compris, il est positif, mais pas contagieux. Oui, il a des résidus. Il a des résidus tellement faibles qu'il ne pourrait pas transmettre le virus à une autre personne, en gros. Hein. Ça, si j'ai bien compris, c'est ça. Bon, messieurs, mercato terminé ou pas là sur les Girondins? Youssouf Sabali, c'est fini, hein, je crois, du côté du Spartak. Ils ont recruté, je sais pas s'ils ont signé le gars de Chelsea, hein, Moses. Victor Moïse, ouais, ils l'ont pas signé. Ils l'ont signé, ça y est, c'est officiel. Ouais, je crois. D'accord. Mais il jouerait vraiment arrière droit parce que c'est un ailier de base. Il joue à tous les postes. Sous Conte, il jouait piston, Victor Moïse. Il aurait plus à Paulo Souza. Et il a dérivé de plus en plus en latéral. C'est vrai. C'est ça, Paulo Souza. Il te manque, Joe, Paulo Souza, j'ai l'impression. Non, ça va. Non, ça va. Après, franchement, j'attends de voir ce que va faire Gassé maintenant. Après, c'est toujours pareil, mais il a une recrue. Maintenant, moi, ce qui me gêne, c'est un peu la hype qu'il y a autour de Ben Arfa actuellement. C'est la seule recrue. T'as l'impression que ça va être le sauveur de machin, tout ça et tout. Ben Arfa, ça reste Ben Arfa, ça reste qu'un joueur, il va pas tout transformer d'un coup et il aura pas les moyens, c'est pas lui qui va porter l'équipe, comme je dis. Donc voilà, attention, n'attendons pas trop de Ben Arfa pour l'instant, quoi. Il y a Karim Rayani qui nous dit sur le chat, Ben Arfa plus mince va faire des dégâts. Écoute, on espère, hein, qu'il fasse des apparemment dégâts. Il est très affûté. Les échos qu'on a, c'est qu'il est très affûté, le mec, apparemment. Oui, mais il a l'air affûté, mais il a pas joué depuis très longtemps, il a pas enchaîné les matchs depuis combien de temps? Il a joué il y a 3 mois, Gino. Ouais, mais il a pas enchaîné. Il a pas enchaîné. Ouais, c'est ça. Donc le mercato des Girondins, Sabali peut-être sur le départ, en tout cas pas en Russie, on ne sait pas. Est-ce que vous pensez qu'il y a un joueur qui risque de quitter Bordeaux, puisque le mercato russe est ouvert jusqu'au 17 octobre? Et combien? On est le 12. 12. Il reste 5 jours. Et peut-être un joueur peut quitter Bordeaux, et peut-être Bordeaux peut recruter, parce que je vous le rappelle, Bordeaux peut signer un joker, donc ou un joueur libre, comme Ben Arfa l'a été. Et si c'est un joker, c'est obligatoirement un joueur de Ligue 1 qui doit être recruté. Et c'est deux joueurs libres qu'on peut avoir, c'est ça, non? Je crois pas que ce soit... C'est pas limité à deux? Eh bien, je crois pas. Nos internautes et nos spectateurs vont nous le dire sur le chat, mais dans ce que j'ai lu, c'est pas limité le nombre de joueurs libres que tu peux signer. Bon, votre pronostic, moi je pense que ça bougera plus. Terminé. Okay. Samuel? J'espère que ça bougera pas, parce que si ça bouge, ça veut dire qu'on vendra un joueur qui est aujourd'hui potentiellement titulaire. On vendra pas Mecher ou Jovanovic, je pense. Ok, bon, les gars, avant de se faire la première partie, l'OM Bordeaux, l'avant-match de l'OM Bordeaux, on se fait le petit fromage dessert ou les deux, histoire de se remotiver ou quoi? Allez, un petit fromage dessert ou les deux. Allez. Gino, te laisse répéter la règle, hein, quand même. Oui, alors c'est fromage, dessert ou les deux. Donc, il va y avoir deux choix. Ça va être, on va jouer avec deux gardiens de but qui ont joué à l'Olympique de Marseille et au FC Girondins de Bordeaux, qui sont Joseph-Antoine Bell et Cédric Carasso. Donc, deux grands gardiens. Bien. Et donc, ça va être ou Bell ou Carasso, soit les deux. Donc, on pourra répondre par rapport à ça. Un petit questionnaire intéressant de deux questions chacun. Donc, on va commencer par Samuel, qui va avoir la première question. J'ai gagné une finale de coupe avec Bordeaux. Les deux? C'est oui. Carasso. Perdu. Bell, il n'a pas de... Il a perdu contre Bordeaux. On n'en dit pas plus. C'est lui qui... Pas de point pour Samuel. Ah, j'aurais dit les deux, moi aussi. Je pensais qu'à l'époque de Gilles... Nicolas. Oui. En plus de Marseille, j'ai joué dans un club du Var. En plus de Marseille, j'ai joué dans un club du Var. Belle. Jolie. Belle. Il a joué à Toulon.
C'est vrai qu'ils et étaient individuels. Oh, j'ai eu peur. J'ai eu peur que Carasso. À Guingamp aussi, à Carasso. Oui, mais pas. Côte d'Armor, Guingamp. C'est pas dans le Var, quoi. C'est l'opposé. Ah, je savais pas qu'il avait joué à Guingamp. Cédric Carasso, c'est pas ça. Ouais, ouais, on n'en dit pas trop, les gars. Ah, bon, d'accord. Non, non, ça va le faire. Bah, ça joue sur le chat. Attention, le double champion en titre. Ah, oui. Je suis un joueur international. Bah, les deux. C'est bon. Non, mais c'est trop facile. Une seule sélection pour Carasso. Ouais, oui. Ah, oui. Contre et la 50 Pologne. Sélections avec l'équipe. Ah oui. Bravo. Du Cameroun. Pour Joseph Antoine. Bravo, Joe. Bien joué. Samuel. Attention. Yes. J'ai plus de 100 matchs avec Bordeaux. Allez. Carasso, oui. Mais Belle, je vais te dire les deux. C'est pas bon. Carasso, juste. Aïe, 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 Samuel. Aïe, aïe, aïe. 80 matchs. Ah, mais on me pose des questions. Moi, j'étais même pas né. Aïe, 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 aïe. Mes grands-parents qui me parlaient de Joseph Antoine Belle. Ouais, c'est quand même un grand gardien. Attention. Joseph. Nico. Vas-y. J'ai perdu en finale de coupe contre les Girondins. Oh ben. Alors, Joseph-Antoine Belloui, c'est lui qui prend le lobe de Giresse, ça se trouve. Je ne me souviens pas bien. Joseph-Antoine Belloui, Carasso, en finale de coupe, Belle. C'est Belle, bien joué. Ouais, Nico. J'ai les faciles. J'ai les questions faciles. Et donc, il perd contre les Girondins exactement en finale de coupe, avec notamment ce but de Giresse. De Gigi. Joe, durant ma carrière... J'ai évolué en Turquie. Moi, je dirais Carasso. C'est Carasso, bien joué. C'est à Galatasaray. C'est dégueulasse. Alors, je m'appelle Cédric. Carasso ou Belle? Trop facile. Il aurait pu jouer en Turquie, Belle. Belle. T'es sûr qu'il n'a pas joué en Turquie, Belle? C'est ça. Mais à l'époque, personne n'allait en Turquie à l'époque. Il n'y avait pas de football. Ah, non, non. Alors, Samuel, je t'invite à regarder... Les clubs de Joseph Antoine Bell, et il n'y a pas que des clubs français, il y a des clubs aussi égyptiens notamment, et d'autres clubs. Il a fait pas mal de... C'est pas la Turquie. Ouais, mais bon, il a fait d'autres clubs étrangers. Il n'a pas fait que des clubs français. Ouais, mais, c'est vrai que les questions pour Joe sont quand même faciles. Oh. Non, mais je pense que Joe, il doit payer le fromage, le dessert, l'entrée, le plat à Dino à payer. Hey. On passe à la finale, on va voir. On va voir. C'est toujours les mauvais perdants, là. C'est pas vrai ça, j'ai pas le droit de gagner. Nico et Joe. Ah, il est éliminé, Samuel, déjà? Oui, Nico et Joe pour la finale. Ça allait vite. Donc on va parler d'un joueur. Si vous donnez une réponse, vous laissez la main et qu'elle n'est pas bonne, vous laissez la main à l'autre joueur. D'accord. D'accord. Joueur arrivant d'Angleterre, j'ai joué une finale 6 mois seulement après mon arrivée au Girondin. Je pars à l'OM la saison suivante. Belle. Finissance. Pardon ? Belle, Joseph Antoine Belle. Non. La main est à Joe. Ah ben c'est Carasso alors, non ? J'ai même carré ton prix. Non. Je pars à l'OM la saison suivante, donc finissant second du championnat avec Marseille. J'ai compris. Arrière droit avec du tempérament. Ah, il a trop. Joe. Nico, tu peux répondre. Cyril Arrière Roll. Droit avec du. Non, c'est pas Cyril Roll. Oh là 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 là. Arrière droit avec du tempérament. Je joue plusieurs demi-finales de Coupe d'Europe dans les années 90. Jean-Philippe Durand. Non. Non. Ah bon, on en a parlé. Nico, avec l'AS Monaco. Eh bien, Dimeco. Dimeco. J'ai joué au Girondin, je suis arrivé d'Angleterre. Ah, j'ai joué au Girondin, il y avait. Oh, bah. Je l'ai dit. J'ai joué une finale avec des Girondins 6 mois seulement après mon arrivée contre le Paris Saint-Germain. Ah oui, je sais qui c'est. C'est comment il s'appelle? Ah, putain, Patrick il a envoyé la casse. Joli, oui, Joe, c'est Blondeau. Patrick Blondeau. Oh, moi j'étais troisième à côté. J'étais oh là là, c'est qui parlait sous les diapos, moi. Non. Patrick Blondeau qui est arrivé d'Angleterre. Très bon ami à Christophe Gary. En 1997, il arrive d'Angleterre de Sheffield Wednesday, pardon, lors du mercato hivernal. Il fait 6 mois au Girondin. Donc, il joue la finale de la Coupe de la Ligue. Ouais, quand tu as dit finale contre Paris, ça y est, j'ai fait plus tard. Il arrive à Mercato d'hiver. Mais moi, je croyais qu'on était encore dans Carasso ou Belle ou les deux. Moi, j'ai rien compris. Non. En fait. Et il part donc et il part à l'OM la saison suivante. Mais oui. Où il finit derrière Bordeaux en 99. Je vais encore me faire détester par les collègues. Quoi. Attends, bien joué. Mais là, c'est terminé là?
Ouais. Ah ben bah, bravo, ah, bah, troisième victoire. Bon, mais bravo, écoute. Et 2 et 3-0. Jamais 203, bravo. Bravo, bravo. Bravo, bravo. Bravo, t'as les applaudissements, bravo. Merci, merci. Bon, voilà, ben merci Gino, hein, c'était sympa. C'est Patrick Blondeau, on oublie qu'il a joué à Bordeaux, Patrick Blondeau. Ouais, mais ouais, j'aurais pas pensé à lui au départ. Mais par contre, Dimeco, Nico, du bois, il a jamais joué à Bordeaux. Mais, ouais, mais j'ai pas. Non, je sais. Tu méritais de perdre, là. Non, mais je sais, mais j'ai pas entendu qu'il avait joué à Bordeaux. J'ai compris, j'arrive d'Angleterre et je gagne une finale. J'avais pas entendu qu'il a joué à Bordeaux. C'est une rôle arrière-gauche aussi, Nico. Ouais. D'accord, ouais. Bon. Et milieu de terrain aussi, même. Toujours confondu ma gauche et ma droite. Et milieu de terrain. Ça. Ah bah si tu fais pareil dans, quand t'es dans, dans l'urne, c'est compliqué quoi. J'ai pensé à ça, mais non, je me trompe pas là. Quand j'y vais. Bon allez, hop, on va parler politique, ça va mal finir. Bon, messieurs, 20h41, je vois qu'il y a toujours, vous êtes très nombreux sur le chat, merci à vous. Allez-y, partagez cette vidéo, envoyez du like et abonnez-vous à la chaîne YouTube. Je regarde, est-ce qu'on a atteint les 4500? Non, toujours pas, mais qu'est-ce que vous faites? Vous êtes 177, si il y en a la moitié déjà qui vont s'abonner, c'est super, voilà. Bon, quatrième partie, OM Bordeaux, le match des mal classés, 9 points chacun. Bordeaux est devant la différence de but avec plus 4 et l'OM est à l'équilibre, à 0. Samuel, je te donne la main comme tu as perdu au jeu juste avant. À quoi on peut s'attendre sur ce match? À quoi on peut s'attendre? On peut s'attendre. Alors après, c'est un Bordeaux-Marseille, donc j'ai quand même tendance à, même si les Marseillais veulent se la jouer Grande Europe et nous dire qu'ils s'en foutent, c'est des menteurs. Ils sont vexés de pas gagner chez nous et ils sont fiers de gagner chez eux depuis une douzaine d'années. Donc c'est toujours un match où, mine de rien, il y a une crispation sur le terrain qui fait que ça peut. Ça paralyse souvent le spectacle plus que ça ne le booste. Donc, étant donné que les deux équipes ont besoin de points, étant donné que Marseille n'est vraiment pas en confiance, que le jeu n'est vraiment pas huilé côté OM, ils ont, que ce soit quand ils étaient à 11 ou à 10, ils ont encore beaucoup souffert contre Lyon. Pour l'instant, la victoire, la seule victoire avec le premier match à Brest, c'est Paris. Et c'est une victoire vraiment en trompe-l'œil. Donc, Marseille va pas vouloir prendre trop de risques. Ils vont, je pense, compter sur leurs grosses individualités. Flotovin, Payet sera pas là, mais ce qui peut être bien pour Bordeaux. Mais voilà, Flotovin, Benedetto, Sanson, Cuisance, qui fera peut-être son premier match. C'est des joueurs sur lesquels Marseille va essayer de miser parce que c'est pas la folie collectivement en ce moment. Après, côté bordelais, moi, j'ai envie de me dire que. J'ai envie de me dire que peut-être c'est le moment pour faire entrer un Ben Arfa s'il est prêt. Parce que c'est dans ce match-là qu'il va falloir amener un peu de folie, justement. Et lui va au moins attirer l'attention. Et ça va peut-être mettre un peu d'électricité dans ce match et libérer ses partenaires, même s'il n'est pas bon. Hein. Et au moins essayer de créer un peu un événement, parce que sinon le 0-0 peut satisfaire rapidement les deux équipes. Et ce serait pas un bon résultat, je pense, pour Bordeaux et encore moins pour Marseille. Quand je dis satisfaire, c'est que si techniquement les deux équipes sont fidèles à ce qu'elles montrent depuis le début de saison, ils ont pas forcément les armes pour aller se surpasser en fin de match et on risque de pas bouger niveau score. Quoi. Est-ce que c'est pas le bon moment pour prendre Marseille? Pas de public, pas Payet, l'esprit de revanche par rapport à la saison dernière. Mandanda incertain a priori. Joe, il y a tout pour faire un résultat là. Est-ce que c'est le meilleur moment? Je sais pas, on verra sur la saison, mais c'est un bon moment. Clairement, ils sont pas chauds du tout. Il y a beaucoup de blessés. L'absence du public au Vélodrome, ça pèse énormément. Ça, on va pas se le cacher pour la motivation des joueurs et même pour l'équipe adverse surtout. Zéro victoire au Vélodrome pour l'instant. Voilà, parce que ce stade vide, c'est triste en fait. Tu vois, c'est un stade effectivement qui a toujours bouillonné et là c'est vide et donc voilà, mais. Après, Bordeaux-Marseille, c'est toujours une histoire un peu compliquée. Les Marseillais, quand ils voient arriver Bordeaux, avec toute l'invincibilité qu'on a, chez eux, ils ont envie effectivement de faire perdurer quelque chose aussi. Je sais très bien que si on prend un but, pour nous, c'est mort. Pour moi, je le vois comme ça. Si notre défense tient pas la route, c'est mort. Si on arrive à tenir la route, il y aura moyen de faire un résultat. Si on prend pas de but, bon, forcément, tu fais au minimum un nul. Ça, c'est clair. C'est déjà assez logique.
Mais il y aura moyen, effectivement, d'aller peut-être en planter un, et notamment en contre, si on se débrouille bien. Je suis persuadé que les joueurs auront une motivation supplémentaire là-bas. Voilà. Marseille, défaite sur son terrain face à Saint-Étienne sur les 4 derniers matchs. Donc il y a une défaite face à Saint-Étienne, un match nul face à Lille, un match nul face à Metz sur son terrain et un match nul à Lyon. Gino. Il faut voir les matchs. Je suis pas trop de l'avis de Joe par rapport à. Alors, la motivation, normalement, oui, elle est obligatoirement là. Marseille-Bordeaux, normalement, ou Bordeaux-Marseille, tu es obligatoirement motivé. Mais quand on va à Marseille, moi, ce que je ressens depuis des dizaines d'années, c'est qu'on est dans un état de soumission par rapport à ce club, qui fait que déjà, on sait qu'ils ont une meilleure équipe. Hein. C'est d'accord. Il n'y a pas photo là-dessus. Mais nous, en termes de mentalité, eh bien, Joe l'a dit, dès qu'on va prendre un but, on va se dire que ça sera fini pour nous. Donc, c'est-à-dire qu'on est quand même, et l'équipe, on ressent ça quand on va à Marseille, on a l'impression qu'on ne peut pas faire de résultats là-bas. Donc, c'est quand même assez dramatique. Et ça a été ça pendant de nombreuses années, et même le match de l'an dernier l'a montré, alors qu'on n'était pas si mal que ça dans le match en première mi-temps. Donc, moi, j'ai beaucoup d'a priori là-dessus. J'espère que ça puisse changer. Le public qui soit pas là, ben ouais, c'est un facteur qui peut être super pour nous. Payet, c'est quand même un joueur technique en moins. Mais je suis pas méga confiant avant ce match, malheureusement. C'est intéressant ce qu'il dit là, Gino, le complexe d'infériorité face à l'OM. Tu le ressens, Samuel? C'est... Oui. Oui, oui, bah oui. Ne serait-ce que ce que dit l'an dernier Costil. Moi, c'est je le ressens pas qu'à Marseille, d'ailleurs, je le ressens aussi à Bordeaux. On a l'impression qu'avant, c'était avant Bordeaux, justement, soumettait Marseille, entre guillemets, à domicile. C'était un peu la bête noire du club. Aujourd'hui, on a l'impression que ne pas perdre, c'est une fierté de se dire « Ah, le petit Bordeaux résiste encore au grand Marseille. » C'est clair. Et c'est pour ça que moi, je le dis souvent, et je le disais l'an dernier, j'avais été un peu critiqué sur ça, mais moi, l'an dernier, si on me dit « perdre contre Marseille », et finir sixième ou cinquième à la fin de la saison, c'est-à-dire européen. Même à un moment donné, on parlait de gagner un titre. Il y a des gens qui disaient qu'ils préféraient ne pas gagner une Coupe de la Ligue ou une Coupe de France, mais faire le 0-0 dégueulasse le 14 février contre l'OM. Moi, même une cinquième place à la fin de la saison, mais on se fait bananer aller-retour par l'OM 5-0, 5-0, rien à faire. Vraiment. Donc aujourd'hui, faut que Bordeaux arrive contre l'OM en se disant aujourd'hui c'est un potentiel concurrent à l'Europe. Mais ça c'est une utopie, hein. Bordeaux le fera pas. Mais c'est vrai que moi c'est ce que j'aimerais. Et quand on va à Marseille comme l'an dernier, moi ce qui m'agace c'est que Adli ouvre le score, on se dit ah, faut tenir. Souza il leur dit non, faut jouer. Et au final, qu'est-ce qui se passe à la fin? Tu prends 3 buts. Parce que les mecs sont tétanisés, parce que quand Otavio il doit faire une relance, etc. machin, bah, c'est compliqué quoi. C'est compliqué, il te la remet dans l'axe, etc. Donc, par rapport à tout ça, moi, je rejoins Gino, c'est qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que quand Bordeaux va jouer cette équipe de Marseille, il y a ce sentiment de faut absolument obtenir un résultat. Alors qu'en réalité, quand on va jouer Marseille, il faut absolument être Bordeaux, jouer comme on a envie de jouer et essayer de les tarter aller-retour. Voilà, c'est ça, normalement, l'état d'esprit. On est un sparring partner. On fait plus le match en fait avec Marseille. Oui, à l'extérieur. À l'extérieur, tu parles. À l'extérieur. Non. Ce que dit Samuel, c'est très intéressant. À domicile. C'est-à-dire que moi, je suis plutôt de ceux qui veulent surtout pas perdre contre l'OM. Ça, c'est clair. Mais dans ce qu'il dit, il a raison. Même les matchs à domicile, depuis des années, on les attaque avec la peur au ventre. C'est-à-dire qu'on n'y va pas pour faire le match en fait avec Marseille. On se dit, on est déjà plus faible et mentalement, ce qu'on montre. C'est qu'on n'y est pas du tout, quoi. On n'est pas dans la même catégorie et dans ce qu'on remet sur le terrain et l'attitude qu'on a, c'est encore plus, quoi. C'est encore plus vrai. Donc, c'est très compliqué. C'est très compliqué, ces matchs. Ben après, il y a un truc, c'est qu'en même temps, on n'a plus que ça. Il n'y a plus de Coupe d'Europe. On ne gagne plus de trophées ni rien. Qu'est-ce qui te reste si te reste l'invincibilité contre l'OM depuis 40 ans? Voilà, actuellement, la saison, elle se joue. Le match que tu regardes, c'est Bordeaux-Marseille. Même les Marseille-Bordeaux, moi, franchement, je m'en fiche. Moi, ce qui m'intéresse, c'est Bordeaux-Marseille. Ouais, effectivement. Il y a quand même un peu de piquant. Tu vas à Marseille, c'est le vélo. Ça reste une équipe où tu dois faire un match. Le calendrier qui est posé. Moi, le premier match que je regarde, c'est Bordeaux-Marseille. C'est pas Marseille-Bordeaux. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça. Après, oui, quand je joue contre Marseille, c'est un club, effectivement, que j'ai toujours adoré détester parce que
Il y a une histoire, les années 80, les années 90, les titres à chaque fois. Les deux derniers titres que tu gagnes, c'est Marseille qui est deuxième. Donc voilà, tu vois, c'est des histoires comme ça. Et les Marseillais ne peuvent pas nous blairer non plus. Hein. Faut pas croire. C'est pas parce qu'on a disparu un petit peu de la, voilà, fait la circulation qu'ils nous adorent. Hein. Faut pas croire. Hein. Donc, ils font croire qu'il y a de l'ignorance, mais moi, je peux vous le dire. Hein. Bien sûr. Hein. Il y a une histoire. Il y a une histoire. Entre les deux. C'est même pire maintenant parce que justement, à cause de tout ce que viennent dire Gino et Joe, notamment, c'est que maintenant, c'est même plus une question de rivalité, c'est une question de condescendance. Ça tombe bien, la première partie du mot leur va bien. Et clairement, c'est avec les Marseillais, c'est ça aujourd'hui. C'est il y a un mépris total de Bordeaux. Mais ça, c'est en grande partie, et on vient de le dire depuis deux minutes, en grande partie la faute des Girondins. Parce qu'effectivement, encore une fois, quand l'an dernier, après le match de Lyon, qui est le match le plus chaotique que j'ai vu de Bordeaux sur les deux dernières saisons, alors qu'il y a eu Ricardo quand même qui était là pendant 9 mois, et Costil qui dit sereinement, normalement, comme si c'était naturel. Eh les gars, dans 2 semaines, il y a le match de l'année ici. Mais le match de l'année de quoi ? T'es 13e de Ligue 1, Marseille, ils sont 2e. On s'en fiche. C'est pas le match de l'année. Le match de l'année, ce sera quand tu vas jouer des équipes qui sont 7, 8, 6, 7, 8, 9, à qui tu dois aller chercher des points. Ce sera là tes matchs de l'année. Et le match de l'année, au final. Oui, mais il y a toujours cette rivalité. C'est... Ah, par contre, mais là où je suis d'accord avec toi, Nico, c'est que par contre, moi, quand je vois le calendrier, bien sûr, je regarde d'abord Bordeaux-Marseille, mais je regarde Marseille-Bordeaux, et je me souviens des années où on les prenait toujours à la première journée. Je crois que durant 2 ans, on prenait toujours l'OM à la première journée au Vélodrome. On allait les tarter. D'Archeville, Ducasse, Aubertin, tout le monde leur avait fait la misère. Il y a les années Ducasse, il y a les années. Enfin, tous ces moments-là, ils étaient très importants pour les Girondins. C'est-à-dire qu'on allait à Marseille, ils ne gagnaient pas chez nous, et en plus, on allait chez eux, et voilà. Et on pouvait gagner. Et on pouvait gagner parce que, pourtant, on n'avait pas. Je suis désolé, hein. Ceux qui se souviennent très bien, le Bordeaux de Michel Pavon qui va gagner avec Ducasse et d'Archeville, celui de cette année, il n'est pas forcément exceptionnellement. Je crois que la dernière victoire remonte à quand? Le Bordeaux de Pavon, pas le Bordeaux de Ricardo. Ah, l'année d'avant. La dernière victoire au Vélodrome. Avec Juan Pablo Francia et compagnie. La dernière victoire au Vélodrome, elle remonte à quand? Ah, c'est 2008. Ça, 2008, Nico. 2008. Alors, on a perdu sur le chat Christian Pékinois qui a dit « Honteux, je quitte le chat, allez bouffer vos sardines ». Ensuite, on a Cédric qui a l'avis inverse qui dit « Nico, toujours des excuses alors qu'il connaît rien du tout ». Mais écoute Cédric, je t'offre la parole, viens t'exprimer si toi tu es si fort. Tu m'appelles et tu passes à l'antenne, il n'y a aucun souci là-dessus. On est très ouvert. Très sincèrement, là le Marseille d'aujourd'hui ne me fait pas peur. C'est le bon moment. Mais Marseille aujourd'hui ne me fait pas peur. Hein, je préfère jouer Marseille que Lens ce week-end, par exemple. Ou Rennes, voilà. C'est le bon moment. C'est le bon moment pour les prendre. Bon, les gars, 20h53. Sur ce match, on connaît pas le groupe. Le groupe sera donné vendredi à 20h. Nous connaîtrons le groupe. On sait que du côté marseillais, Payet n'était pas là. Mandanda était incertain. Il y aura les tests Covid avant, donc ça peut-être bouleverser la donne. Est-ce que Ben Arfa, s'il est testé positif, mais qu'il n'est pas contagieux, est-ce qu'il peut jouer? On ne sait pas. Il y a un peu de flou, je trouve, sur ça. Après, vos pronos, un petit prono, et après, on va parler de Benoît Costil qui a fait une interview. J'aimerais vous faire réagir là-dessus, sur ce qu'il a dit. Ouais. Un petit prono? 2-1, allez, 2008. 2008, 2-1, allez, Joe. 2-1 pour nous. Ouais, oui, 2-1 pour Bordeaux. Ouais. Si on peut enfoncer les Marseillais, un petit 1-0. Si on doit gagner, il faut pas qu'on prenne de but. Donc un petit 1-0 et si on peut les enfoncer derrière. Sur un but de Thauvin contre son camp. On prend pas de but. Marseille, 7 buts encaissés, 7 buts marqués. Nous, on a une grosse défense. Notre souci, c'est l'animation offensive. C'est l'attaque. Ouais. Un partout pour moi. Un partout, match nul. Allez, moi, je dis une petite victoire. Un petit 2-1. Un petit 2-1. Bon, Benoît Costil. Vous avez vu sa déclaration? J'ai entendu la remarque de Samuel qui a fait oui quand j'en ai parlé. Si vous n'avez pas suivi, il a fait une interview puisque un stade, un complexe sportif a été ouvert à son nom dans sa commune d'enfance en Normandie. À cette occasion, il a livré une interview. Il a donné une interview au site actu.fr Normandie dans laquelle il parle de son avenir. On lui pose la question à savoir s'il souhaite revenir à Caen, au stade Malherbe de Caen, qui est son club formateur. Et il parle également de ses déclarations de cet été. Et en résumé, il dit, pour Caen, il dit, il ne faut jamais dire jamais.
Ce n'est, il a dit, il y a des, quelques années, j'aurais dit non, catégorique. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Même si ce n'est pas une priorité, il ne faut jamais dire jamais. Si toutes les conditions sont réunies, pourquoi pas? Mais une chose est sûre, si je reviens un jour, ce ne sera pas en pré-retraite. Je voudrais être compétitif. En attendant, je suis à Bordeaux et je m'y sens bien. Et après, il rajoute, par rapport aux perturbations qu'il y a eu cet été au sein du club, il dit « Il était donc normal de m'interroger sur mon avenir à cause de toutes ces perturbations, mais je suis bien sportivement et physiquement à Bordeaux. On a envie de bien faire et de réussir une bonne saison. » Voilà. Samuel, petite réaction? Il n'y a pas de souci avec ce qu'il a dit. Voilà. Vraiment pas. La seule chose qu'on dessine de plus en plus désormais, c'est que Costil ne s'imagine pas dans la durée à Bordeaux. Il se sent bien physiquement, sportivement, oui, mais entre les déclarations pré-été, pendant l'été, post-été, bah, il nous fait comprendre en gros que... Parce qu'il a 33 ans, hein, Costil. Oui. Ouais, il est 87. Il dit qu'il irait pas à Caen en pré-retraite. Donc c'est bon, c'est bientôt. L'été prochain. On va dire un gars et un gardien. Allez, un gardien, on va dire, la pré-retraite, c'est à partir de 36 ans, on va dire, pour un gardien. Ouais, parce que tu peux jouer. Voilà. On va dire 36, 37 ans. Mais donc, ça veut dire quoi? Qu'au maximum, dans un ou deux ans, tu t'imagines hors de Bordeaux? Alors que Bordeaux, entre guillemets, avec le choix qui a été fait cet été pour moi de Bernard Denis, même si c'était un choix beaucoup plus pécunier que sportif, mais ils ont fait comprendre à Costil qu'il avait en tout cas l'espace pour s'installer pour 2-3 saisons. Donc, encore une fois, il n'y a rien de dramatique dans ce qu'il dit. Mais aujourd'hui, moi, je ne considère pas Costil comme un joueur qui va rester fidèle à Bordeaux pendant des années. Et c'est pas que de sa faute, c'est aussi la faute du club qui donne pas envie aux joueurs de rester, faut le dire. Et il faut savoir qu'il y a, pour être complet sur Caen, c'est qu'il y a un projet à Caen, un nouveau projet avec un investisseur américain, un fonds d'investissement. Olivier Piqueux est arrivé en tant que directeur sportif. Donc bon, il y a un club qui est en train de se structurer. Gino, ton avis là-dessus sur... Parce que c'est vrai, moi je suis d'accord avec Samuel, il ouvre une porte de plus en plus là. Il sème les graines pour le futur. Il a cassé la serrure là. Non, mais c'est plus ça, ouais, qui c'est pas choquant parce que son discours, il y a rien de choquant, mais c'est le fait qu'il soit pas, ouais, pleinement investi dans le fait de vouloir faire remonter le club aussi, quoi, et avoir l'ambition de se dire, ben ouais, je suis un taulier au Girondin, quand c'est pas peut-être pas le moment d'en parler, on verra plus tard. Et je sais pas, moi c'est ça qui me gêne plus chez Costil. On sent un mec qui est performant depuis le début de saison, il y a rien à dire. Après, en termes de leader, en termes de... Moi, il m'a jamais fait, pour l'instant, rêver, quoi. Donc, je pense qu'on aurait dû faire un choix qui était le choix de repartir sur une nouvelle génération de joueurs, et notamment au poste de gardien, avec Bernard Denis qu'on avait dans l'effectif, à mon avis, à mon sens. D'accord. Et on pouvait l'installer sur plusieurs années. On a fait un choix, donc on verra où ça nous mène. Joe? Moi, ça me choque pas. Il a déjà fait les déclarations par rapport à la Bretagne, notamment à Rennes. Il laisse les portes entrouvertes. J'ai l'impression juste qu'il a rien décidé. Mais très franchement, quand tu es joueur des Girondins, tu peux te poser la question aussi de savoir si le projet va durer ou pas aussi. Actuellement, est-ce que le club va... En fin de saison, on ne sait pas ce que le club va devenir. Donc, en même temps, et tu te dis à un moment donné, il faut peut-être aussi que je me protège un petit peu. Et voilà. Mais quand il dit qu'il veut pas y aller après retraité, c'est qu'il veut pas y aller en étant juste plus haut niveau, tout simplement. Ça ne veut pas dire... qui va y aller l'an prochain ou quoi, ça peut peut-être être dans 3-4 ans. Bouffon, regardez quel âge il a encore là, donc lui, je pense qu'il va finir comme Bouffon. Je pense qu'il va finir en tant que titulaire. Il veut pas venir être le remplaçant qui va épauler un petit jeune. Pour moi, ça veut dire ça ce qu'il dit en fait, tout simplement. Si à 39 ans il peut jouer une finale de C1 comme Bouffon, Non mais tu vois, ce que je veux dire, mais tu vois que Bouffon bon, mais voilà, il a fait sa carrière maintenant. Il serait peut-être temps qu'il arrête, tu vois ce que je veux dire maintenant. Enfin, je trouve ça dommage en fait ce qui se passe pour lui, parce que c'est l'un des meilleurs gardiens que j'ai jamais vu. Donc voilà. Et je pense que Costil, lui, veut finir titulaire, quoi qu'il arrive. Et puis il veut finir effectivement en grande forme. Et pas finir en tant que remplaçant ou ultra blessé, comme a pu être Carrasco et Ulrich Ramé à la fin. C'est malheureusement ces deux grands gardiens qui finissent à la fin un peu en dents de scie, un peu voilà, pas au meilleur de la forme. Ils montrent une image qui est un petit peu à la fin, pas top. Donc voilà, après. Je pense qu'il se pose beaucoup de questions dans ce club, clairement, et je le comprends. Et pour l'instant, sur le terrain, il répond. Ah ouais. Le début de saison qu'il fait, Costil,
Il est au niveau. Ah oui. Je suis désolé, mais on pourrait nous reprocher à ce mec-là. Donc là, actuellement, il s'y dit juste, voilà, s'il y a un projet qui est intéressant, pourquoi pas ? Parce qu'à Bordeaux, ben, je ne sais pas ce que ça va donner l'an prochain ou dans deux ans. Voilà. Ouais, mais il remet beaucoup de pièces dans la machine quand même, Joe. Il ne faut pas le titiller beaucoup. Hein. Ouais, mais bon, Rennes vient. Rennes, c'est mon ancien club. Je pourrais y revenir un jour. Il peut revenir un jour dans tous ses anciens clubs, si on l'écoute. Oui, mais s'il était mauvais sur le terrain. S'il était mauvais sur le terrain. Oui, mais t'es capitaine. Enfin, t'as été le capitaine, maintenant tu ne l'es plus. Mais t'es le vice-capitaine ou un joueur important du club. Le club, il te demande quand même de représenter quelque chose. Donc, tes interviews, Benoît, attends un petit peu ou je sais pas, mais là un peu plus. C'est dans des clubs où il y a la place en plus. Oui. Je sais pas qui, quoi que je dis, mais je sais pas qui est gardien de Rennes. Je suis pas certain que Rennes aille le chercher maintenant. C'est qui les gardiens à Rennes aujourd'hui? Eh oui, hein, il y avait une possibilité. Hein. Ils ont fait signer le gardien de Dijon. De Dijon, ouais, l'ancien gardien de Dijon. Ah oui, il y a un gardien qui arrive. Mais il y avait une possibilité. Mais attends, quand tu vois qu'ils ont mis 14 millions d'euros sur le gardien, je peux dire qu'ils vont pas. Pas une assurance tout risque, Gomis. Non, mais d'accord, mais ceux qui ont vu la finale de la CAN s'en souviennent. Hein. Ils n'ont pas recruté pour le 22 millions derrière, le mec. Non, mais bon, s'il est dégueulasse. C'est un choix total. Hein, donc, S'il n'est pas bon, il sera sur le banc. Et si tu as une solution en Ligue 1 à bas coût. Et quand ils ne sont pas encore en Ligue 1, tu as un peu de temps quand même. Une solution en Azerbaïdjan à bas coût. Non, pardon. À chaque fois que je fais cette vanne, je fais cette phrase, je pense à cette vanne aussi. Ne t'inquiète pas. Bon, mais très intéressant ce que vous avez dit, messieurs, sur Costil. J'aime bien l'avis de Gino. En gros, si je résume un peu tout ce que vous avez dit, il faut s'attendre à ce qu'il parte dès qu'il y a une proposition. Voilà, en gros, Benoît Costil. Mais ça va dépendre de Bordeaux, des Girondins, quand même. Oui. Pourquoi ? Si Bordeaux il propose un projet intéressant, pourquoi il resterait pas en fait ? Oui, mais bon. Juste ça, en fait. Tu crois qu'on va avoir un projet intéressant Girondin de Bordeaux, là dans Mais c'est ça la problématique, c'est ce que je te dis. Ça dépend des Girondins, clairement, ce qui se passe actuellement. Si les Girondins étaient intéressants, Costil, il parlerait même pas de tout ça. Hein. Ah oui, non, mais je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi. Messieurs, c'est terminé. Merci d'avoir été présents pour ce talk. Merci à tous ceux qui étaient là. Un talk sans après-match, un talk de trêve internationale, hein. Malgré tout, vous êtes très nombreux, merci, ça nous fait très plaisir. Je réitère ma demande de début d'émission, si vous voulez participer au talk et relayer les messages sur le chat et nous aider à le faire, venez, il y a un poste qui est pour vous, voilà, c'est une expérience sympa, et vous pourrez peut-être aussi donner votre avis sur les Girondins, certainement. Allez, merci Samuel dans le Club des 5 ce soir, le thème du Club des 5 ? Ce soir, on lance un nouveau concept, c'est le CD5 rétro. Ah. On revient sur tout l'Euro 2000. On va parler de l'Euro 2000. Génial. Super. De la compétition, des Bordelais qui marquaient en finale. Eh oui. Voilà. Les belles époques. Vous êtes en pleine bourre au Club des 5 en ce moment. Beaucoup de nouveaux concepts. Hein. Ouais, ça travaille. Ça travaille. Hein. Mais attention, on peut vite se faire stopper par un virus, donc il faut rester. Il faut rester. Oui, attention. Ouais, attention. Gino, je sais pas, et même tous ceux qui nous écoutent là, donc le Club des 5, la chaîne sur YouTube, si vous n'avez pas vu les deux émissions sur la formation, Gino, je sais pas si tu les as vues. Tu les as vues, toi, Joe ? J'en ai vu qu'une pour l'instant, j'ai pas vu l'autre. Gino, je te conseille d'aller les voir. Ouais. C'était il y a 15 jours à peu près, je crois. Voilà. Oui. Allez, merci à vous. Salut à tous. Merci d'avoir participé au talk sur Web Girondin et merci à vous d'être toujours aussi nombreux. Bye bye. Ciao. Salut. Bonne soirée. Bye.